C'est ceux qui se sont connectés sur notre chaîne YouTube, donc qui peuvent voir, admirer ma chemise caramel de ce soir. Très jolie la chemise caramel. Très sympa. La chemisette quoi. Ah, une chemisette avec des... chemisette c'est quand il y a des manches courtes. Donc c'est une chemisette puisque j'ai des manches courtes. Ouais. Ouais. Non. C'est pas simple, hein. Message de Ludo, 39 ans, de Paris, dans ma boîte Maurice, at mauriceradiolibre.com. Maurice, arrobas, mauriceradiolibre.com. Salut Maurice. Si j'étais toi, je punirais Arnaud de 48 heures. On sait tous ce que signifie bozo. Arnaud raciste et antisémite. Une fois, il avait fait une remarque sur Michael de Paris sur son nez. Le nez de juif, etc. Je m'en souviens parfaitement. Arnaud ne nous prend pas pour des cons. Maurice a de la patience, mais n'oublie rien, sache-le. Oh. Ouais. Julien, 40 ans du Rhincy. Je suis déçu, Maurice. Arnaud ne m'a même pas traité de nazi par rapport à mon message, lui, à l'antenne. Petite forme, Arnaud, ou haut de roche? Bon, ah, si vous le provoquez en plus, parce que... Là, nous, on n'entend pas, mais on imagine... qu'il doit parler sans arrêt. Adrien, 30 ans de Paris. Aïe, aïe, aïe. Salut, Kader le macho, le mâle. Je décèle ce soir et appuie mon jugement sur le fait que Kader soit un peu misogyne. Hier, il me faisait penser à un inquisiteur de l'église. Ce soir, un taliban. Il y a quelque temps, Kader avait demandé à Eric... S'il aimerait prendre une femme, la coller contre le lit et la prendre sans parler en position levrette. Je pense que Kader considère les femmes comme des poules pondeuses pour faire du cul et non pas comme femmes, êtres humains, à qui a son mot à dire dans la société. Non, tu vas vite toi, Adrien. Faut faire gaffe, toi t'es le genre de mec, faut pas qu'on me dise bonjour. Hein. Ouais. Karine, alors, je ne pointais pas sur la deuxième, c'est pour ça, mais c'est bien mes seins. Regarde, j'ai toujours le même tatouage sur l'épaule. Voyons. Sur le bras. Ah non, sur l'épaule. Ok, ça c'est d'accord. Attends, je regarde. Excusez-moi, je fais mon enquête de police sur les seins de Karine. Alors, voyons, première photo. Ah oui, on voit. Ah non, c'est vrai. Bien envoyé, Karine. Et pourquoi tu mets pas ton visage sur les photos? Y a que moi qui les vois, hein. Les autres, ils les voient pas, y a que moi. Non, mais ton visage, pourquoi? T'as un visage vraiment horrible ou... Une seconde. Attends. Ah oui, en effet. Je revois le tatou. La troisième. Et moi, t'es pas sur la deuxième. Ça, c'est une photo de tout de suite ou bien c'est des photos que t'as dans ton téléphone? D'accord, d'accord, je veux bien croire que ce sont tes seins. Mais mets ton visage avec, Karine. C'est beaucoup plus excitant avec ton visage. Pas pour moi. Hein. Shiryu, 36 ans à Paris. Salut Maurice, peux-tu nous mettre en photo de ton site les photos de toutes tes chemises? T'en as combien? Et à quel prix? Bah mes chemises, tu les vois sur chaque vidéo. Ah j'en ai combien? J'en ai pas mal, hein. Ouais, j'ai pas mal de chemises, de liquettes, de chemisettes, de trucs comme ça. Ça m'amuse. Allez, on y va. À bord, nous avons Arnaud. Il a 47 ans, il est à la Ferté-Alais. Ouais, Maurice, je suis impatient. Oui, je sais. Ce que je veux dire. Oui. Je suis en Floride. Là. Oui, Kader a 45 ans, il est à 3. Ah oui, de... Kader à 3, vous me recevez? Oui, je reçois. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Kader? Kader, tu dors ou quoi? Fragilisé, là. C'est à... Kader, c'est à toi la main. Oui, c'est ça. Le plaisir. Défends-moi. Ah, je vais terminer ce que j'avais commencé à dire. Ouais, cette forme de confrontation qu'on est en train de mettre en... Enfin, mis en place, c'est pas le mot, mais...
ce qu'on assiste, ce que j'assiste, vois, ce que je ressens, c'est ce duel qui est mené entre les femmes et les hommes. Alors évidemment, pas question de sous-estimer la violence qui sont faites aux femmes, ni même les minorés, mais ce que je trouve dommage, c'est que, enfin, pour moi, je trouve qu'on est en train de mettre l'axe sur la violence, et puis on arrive même à justifier aussi, par exemple, le meurtre d'hommes dû aux violences qu'elles auraient subies lors de leur... Ça, c'est... Voilà. Et puis ça... Le féminicide, à chaque fois, est-ce que je trouve assez morbide? Alors, je sais pas si c'est moi qui déraille, mais je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'il y a une femme qui est assassinée, on est en train de tout le temps, on fait comme une espèce de célébration un peu morbide. On dit voilà, c'est la centième, c'est la 101e. On est en train de faire un décompte qui pour moi paraît morbide et qui en réalité célèbre la mort. Et puis non, je suis pas d'accord avec ça. Arnaud, il faut pas que tu interviennes comme ça tout le temps parce que ça va être agaçant. Je te le dis, on est au début de l'émission, tout le monde a la patate. On est bien. Vas-y, ça te fait plaisir. Ouais, je veux bien que tu te contrôles. Vas-y, blabla. Voilà. J'ai bien mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé des crêpes. Des crêpes au fromage. Formidable. Bon. Moi, je suis pas contre l'idée que l'on fasse une comptabilité. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas la notion de conjoint battu. Que ce soit qu'on ne comptabilise que les femmes. Il y a eu 150 000 mecs qui se sont fait tabasser l'année dernière, je crois, en tout, sur toute l'année, enfin, qui ont été agressés par leurs conjoints, conjointes. On ne compte pas parce que en ce moment, il faut que ce soit... on compte les femmes chefs d'entreprise, on compte les femmes, trucs, on aide les femmes. C'est les femmes qui? Les femmes. Et je pense que pour une victime, pour quelqu'un qui se fait agresser, qui s'est piégé en fait dans un couple avec quelqu'un d'autre et qui se retrouve avec quelqu'un qui lui tape dessus, qui l'agresse peut-être simplement verbalement, sans arrêt, etc. Je pense que c'est que tu sois une femme ou un homme, c'est aussi, ça doit être aussi horrible, quoi. Violent. Ah, t'as raison, Kader. Après, je... J'ai plus les données en tête, mais je sais pas combien qu'il y a d'homicides, enfin ce qu'on appelle communément homicide, mais en France, tout à l'heure, il me semble que j'ai plus de, si je dis pas de conneries, de 800 personnes qui sont tuées en fait. Ah, 800, ça me paraît beaucoup, ouais. Non? C'est énorme. 800, c'est beaucoup, non? Il me semble que c'est 800, hein, mais à contrôler, mais il me semblait que c'était aux alentours de 800. C'est choquant. Et pas, je parle pas de. Je parle pas d'au niveau relation en général, hein, je parle de 800 homicides, il me semble, par ah oui, d'accord, d'homicides, ah oui, ça peut être conjugué, enfin, d'accord, bon, à contrôler, donc. Formidable. Quel programme. Ouais. Tom. Bon, et on est bien là, hein. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je voudrais dire à Beyond, qui est sur le chat, qui n'aime pas les chemises caramel, que la mienne est très agréable à porter. Et qu'il me tarde d'avoir la photo des chemises que tu portes. Ouais. Alors là, t'as la chemise, bon. À bord, nous avons... Arnaud, il a 47 ans, il est à la Ferté-Alais. Ouais, bon, il ne va pas aïe. Kader a 40... Oui. Kader a 45 ans, il est à 3. Kader, 45 ans, gamin. Mais, bon. Arnaud, donc, tu nous avais dit que tu avais arrêté de boire de l'alcool, donc là, tu t'es remis à boire.
hein, c'est ça? Non, j'ai bu de... Non. De la carafe. Allez, on arrête de ça. Non, Arnaud, on arrête. On arrête. Attends, j'appuie sur le bouton. On arrête de se raconter des sornettes. Tu t'es remis à boire. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu t'es remis à boire. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? T'es un mongol ou quoi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé, je te demande. Fais attention. Fais très attention à ta manière de me parler, parce que si tu me parles mal, je te fous à la porte. On est d'accord? C'est clair? Même si t'es sourd, hein. Attention. Non, mais j'espère que t'as bien entendu ce que je t'ai dit. Moi, je vais essayer de parler avec toi. T'as trop bu, tu as recommencé à boire... ce qui est un peu dommage, parce que, d'après ce que j'ai compris, tu avais essayé de faire un effort. Moi, je vais avoir de la courtoisie et je vais essayer de te montrer un peu d'intérêt. Je vais m'intéresser à toi, à la condition express que tu fasses très attention à ce que tu me dis. Voilà. C'est une menace. Oui, c'est une menace, en effet. Ouais. Ah ouais, effet, c'est une menace. Et je vais même te dire, je vais te rappeler, en fait, ce que tu risques, c'est d'être mis à la porte. Tu ne vas plus pouvoir parler dans l'émission. Si, mais... Bon. C'est de ta part, mais... Bah, est-ce que... voilà. Ça fait deux fois que tu vas à la Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui fait, Arnaud? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui a... Non, c'est pas toi de parler, là. C'est à moi de parler. Qu'est-ce qui fait que tu as recommencé à boire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. C'est des mensonges, tout ça, là, que tu racontes, là. Tu veux me rabaisser par rapport à ma famille? Non, ne prends pas ton air de victime. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? T'avais pris des bonnes résolutions, t'avais décidé de te prendre en main et de sortir de ça, et pendant un petit moment, on a entendu et on s'est rendu compte que t'avais fait l'effort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu recommences à boire? C'est toi, deux secondes, laisse-moi parler deux secondes. Prends l'exemple de notre ami... le toxico, machin. Ouais, il est retombé dedans. Après, tu veux parler de quoi? Tu veux me rabaisser, c'est ça? Ça te fait plaisir de rabaisser les gens? Bon. Arnaud, ça va... Bon, je suis désolé, vieux, mais ça va pas marcher. Moi, je m'appelle Maurice, ça va pas marcher, ton histoire de tu veux me rabaisser, je sais pas quoi, machin, truc, ça n'a rien à branler, moi, de ça. Voilà. Donc, j'ai fait l'effort de parler avec toi. Tu n'entends pas ce que je te dis, et tu ne... On n'arrive pas, pas à échanger. Pour toi, je suis une merde, et tu me traites comme ça. Oui. Et moi, je vais me laisser faire comme ça. Moi, je vais me laisser faire. Oui, tu vas être obligé de te laisser faire. Même si tu prends un air menaçant, etc. Moi, d'abord, tu ne me fais pas peur. Même si tu es rempli d'alcool jusqu'aux yeux, et que effectivement, ça doit te permettre de faire tout ce qui te passe par la tête. Donc moi, tu me fais pas peur du tout. Et j'ai essayé donc d'échanger avec toi. J'ai essayé d'échanger avec toi. Manifestement, ça ne marche pas. Tu vas continuer ton délire d'alcoolique. Et je pense qu'il faut que tu ailles voir un spécialiste. Il faut que tu ailles voir, je sais pas quoi, j'y connais rien. Hein, je sais pas, quelqu'un, que tu ailles, que tu sois suivi, que tu ailles à l'hôpital. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. J'ai essayé, hein. J'ai pensé que peut-être que, tu vois, en échangeant avec toi, on arriverait à... Enfin, tu vois, qu'il serait possible d'avoir un échange. Manifestement, ce n'est pas le cas. C'est pas possible d'avoir un échange avec toi. Tu rabaisses les gens. Voilà. Donc, dis-toi que je rabaisse les gens, dis-toi tout ça. Dis-le à ta maman aussi, que je rabaisse les gens. Et surtout, va-t'en. Voilà. Allez, bonne nuit, hein. Bon. Terminé. La main, donc, à Kader, de 3. Ouais, je voulais avoir ton avis là-dessus, sur le sujet dont on discutait avant tout ça. Et je te disais qu'il y avait 800, donc j'ai confirmé, il y a eu 825 homicides l'année dernière, hein, commis. On est déjà à 500. C'est 825 homicides de quoi? Homicide, quoi, c'est-à-dire meurtre de personnes, femmes, hommes, tu vois. Oui, d'accord, mais c'est pas de ça dont on parle. On n'est pas en train d'essayer de savoir combien de personnes ont été tuées. Mais pour revenir à la notion d'homicide, et moi je voulais parler. Attends, je te coupe juste. Ce à quoi je fais allusion, moi, c'est
la relation de deux personnes, puisque maintenant c'est pas que des hommes et des femmes, ça peut être deux gonzesses ou deux mecs. C'est le ce dont on ne ce que cette ségrégation, l'idée de faire les femmes, de mettre les femmes d'un côté et d'oublier en fait les hommes qui vivent aussi des horreurs. Et c'est faire abstraction en fait de l'enfer, de la espèce de promiscuité de la vie ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui sont piégés ensemble. Ils se sont piégés ensemble. Et dans un moment où la défense est, où il est très difficile de se défendre, très difficile de raisonner l'autre, il y en a un des deux qui vit un enfer et qui a peur de rentrer chez lui, quoi. Et qui a peur d'être chez lui. Et l'idée d'oublier en fait que ça peut être n'importe qui, ça peut être un homme, une femme, c'est continuer à faire vivre, c'est participer à faire vivre un enfer encore plus horrible aux hommes dont on ne va pas s'occuper. Tous les mecs qui ont, j'imagine, dans notre société, qui reste une société machiste, qui reste une société dans laquelle les filles veulent être des filles un peu à l'ancienne, où on leur tient la porte, on les drague, on leur offre des fleurs, etc. Tous ces trucs qu'on faisait avant. Dans cette société, un mec, j'imagine, battu, un homme qui se fait taper sur la gueule, il a beaucoup plus de difficultés à aller au commissariat. À aller dire, voilà, je viens vous voir parce que ma femme vient de me taper dessus encore, regardez, j'ai des bleus, etc. Donc le système, en plus, mettre ces gens-là de côté, je trouve que c'est extrêmement difficile, mais on en a déjà parlé. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Nabila, 26 ans, Paris. Non, oui, nickel, ouais. 37 ans de Paris. Voilà. Ça, c'était parce que t'appelles sur Rire et Chanson, non ? Allez-y, Kader. Ouais, parce que justement, moi, quand je te parlais des homicides, et puis bon, ce qu'on appelle maintenant féminicide, alors qu'en réalité, je crois que judiciairement, c'est le qualificatif n'est pas déposé, il n'est pas été encore inscrit au code pénal. Moi, je trouve que, enfin, moi, c'est mon avis, hein, je vais peut-être un peu choquer certains, et puis d'ailleurs, certains vont commencer à dire que je suis misogyne et tout ça, mais à la limite, je m'en fous un peu parce que moi, je vais dire ce que je pense. Je pense que les féministes jouent, le mouvement féministe joue un jeu très dangereux. C'est-à-dire que de mettre la femme comme le seul, comme tu viens de le dire d'ailleurs, hein, d'ailleurs c'est ça, hein, de dire la femme c'est l'objet de toutes les violences, la femme, et d'oublier tout le contexte sociétal, tout le reste de la société. Moi je trouve que. Non, c'est pas. C'est un sujet important aujourd'hui. C'est pas la femme, ouais. C'est la femme seulement. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est la femme seulement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, moi, je n'adhère pas. Et puis, avec toute cette batterie, avec cette représentante malheureuse pour les femmes, hein, moi, c'est mon avis, hein, qui dit que pas draguer une fille, parler à une fille dehors ou la regarder, ça devient carrément un délit. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'on veut rendre comme société, si les femmes se retrouvent là-dedans, si c'est vraiment... Est-ce qu'on n'infantilise pas la femme aussi, quelque part ? C'est ce que je vois, moi, ce que je me dis. On infantilise les femmes. Ouais, il y a trop d'agression aussi. Je suis pas d'accord avec cette partie de ton discours, Kader. Bah, moi, je le donne. Moi, donc après... Non, parce que moi, j'ai un truc que je veux dire, par exemple. Regarde, Maurice. Le cinéma, par exemple, c'est un témoin. La femme tueuse dans Kill Bill, la femme qui prend une Kalachnikov, qui tire la femme. Enfin, moi, c'est pas mon truc, en fait. Alors, peut-être que je suis dépassé, et certainement. Attends, on parle de. Mais moi, l'idée d'une femme qui se bat comme un homme, qui fait comme un homme, qui peut tuer comme un homme, ça rentre pas dans ma tête. Moi, alors, attendez. Attendez, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Là, on n'est plus dans le meurtre conjugal, dans l'agression conjugale. On est dans l'image. De la femme à tes yeux, c'est-à-dire toi, la femme, l'homme au sabre qui tue tout le monde dans les films, hein, c'est de ça dont on parle. Hein. Ça, c'est pour toi, c'est acceptable, mais la femme qui fait la même chose, ça l'est pas, ça marche pas.
Bah moi déjà la violence en elle-même j'aime pas, mais la femme, enfin moi c'est peut-être une idée révolue, mais moi pour moi la femme avec en train de tuer des gens, c'est un truc que je trouve, ouais c'est, ça rentre pas dans ma tête. Parce que déjà l'homme je trouve que c'est une crapule quand il fait ça, mais maintenant que la femme se, on la met dans ces scènes-là, je trouve que c'est, pour moi c'est, ah ouais c'est l'avis d'un homme, mais après tout j'ai le droit d'avoir un avis sur les femmes parce que les femmes, comme je peux avoir un avis sur les hommes, mais moi je peux donner mon avis sur les femmes puisque les femmes donnent leur avis sur les hommes, donc j'imagine que pour moi, dans ma tête, je me dis que la femme, c'est pas ça, quoi. L'autre transformé en. Mila, elle n'était pas dirigée par Tarantino quand elle a planté son mec. Écoute, Michael, s'il te plaît, si c'est pour glisser Nabila toutes les 5 secondes, on va comprendre où c'est que tu vas en venir. Bah, c'est vrai ou pas? Attends, mais j'ai pas terminé ce que je dis. Déjà, c'est mal poli, tu me laisses pas terminer, tu me coupes. Ce que je suis en train de dire, c'est que on est en train d'uniformiser les choses et en train de casser des genres, pour moi. Des genres, le genre féminin, c'était à mes yeux quelque chose. Le genre masculin, ça l'était aussi. Alors maintenant, si on décide qu'il n'y a plus de genre, bon, bah, je prends acte, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, enfin bon. Tu dérives, toi. En même temps, heureusement que tu n'es pas gendarme, parce que ça veut dire que si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, si toi, tu es gendarme et que tu reçois un mec qui dit qu'il s'est fait taper dessus par sa gonzesse, tu vas pas l'écouter. Ah non, ça n'a absolument rien à voir, Maurice. Bah, ça ne correspond pas à l'image que tu te fais de la femme, etc. Non, mais justement, et je vais te dire, c'est là que t'as faux pour moi, Maurice. Ah bon? C'est que parce que je prendrais vraiment au sérieux ce qui vient d'être dit. Que la femme tape l'homme, je le prends vraiment au sérieux. Ça démontre ce que je suis en train de te dire. C'est que aujourd'hui, on est en train de transformer la femme en espèce d'homme répétita. Et moi, non, mais je suis pas adhérent. Et ça me surprendrait non, mais, pas d'entendre ça, moi. Là, tu dis une chose et son contraire, Kader, en même temps. Non, parce, Maurice. Bah, je t'explique pourquoi. Tu viens de nous dépeindre un tableau de la femme qui donne l'impression que la femme peut pas avoir le sabre, que ça peut pas être elle l'agresseur, etc. Comme on en voit aujourd'hui dans les films et dans la réalité, en fait. Ouais. C'est ce que tu es en train de dire. Et alors bah, ça veut bah, bien c'est dire ce que... que... je suis en train de dire, mais c'est pas la réalité. Voilà, la parce réalité, que... c'est celle que je décris. Mais c'est la femme qui peut taper un homme, c'est la femme qui peut prendre une arme et tuer. Alors, je comprends pas ce que tu dis, alors, Kader. Moi, mon idéal, c'est pas la réalité. Je comprends pas ce que tu dis, alors. Ce que je te dis, c'est que... Parce que dans les films... Du changement de société. Attendez, monsieur Kader. Dans ma tête, ça passe pas. Attendez, monsieur Kader. C'est pas un changement de société. Les femmes, si tu regardes l'histoire du monde, les femmes, il y en a eu plein qui étaient des monstres, qui étaient violentes, qui tuaient des gens, etc. Donc il y en a. Il y en a plein. On en parlait beaucoup moins... Il y avait quelques auteurs qui étaient des spécialistes du genre, donc qui pouvaient faire des machins. Aujourd'hui, on a tendance à recoller en fait avec la réalité, c'est-à-dire à se dire, voilà, les femmes comme les hommes peuvent être des monstres, peuvent agresser, peuvent faire des choses horribles, etc. Et là, tu me dis, non, je suis pas d'accord avec cette image de la femme, alors que la femme, elle peut tout commettre, même agresser son conjoint, même taper sur son conjoint. C'est ça la, bon sens, c'est bébés. Ça la réalité. Ouais, ou congeler ses bébés. Bon, par contre, le mec, il voit pas que sa femme est enceinte, ça c'est. Enfin bon. Ouais, mais il avait du boulot, Maurice. Ouais. Je sais pas quelle relation ils avaient, mais bon. Alors, moi, je pense qu'on exacerbe, Maurice. Moi, mon avis, c'est que on exacerbe un sentiment féministe qui va au-delà de la condition féministe, c'est-à-dire qu'on est en train de casser des codes sociaux. Qui pour moi sont quand même imprimés profondément dans c'est ce quoi le code social c'est quoi le code social qu'on c'est quoi le code social qu'on est en train de casser c'est à dire que pour moi à terme j'imagine moi à terme je suis en train d'imaginer je me dis hein alors peut-être que c'est un truc que c'est du science-fiction mais je me dis qu'à terme le genre féminin masculin va disparaître au détriment d'une entité qui regroupe pas tout le monde et moi je suis ouais, j'aime bien le monsieur, madame, mademoiselle, j'aime bien ça. Quoi. C'est, attendez, j'essaie de te... ça, t'as plus le droit de dire ça. Attends, j'essaie de te suivre. C'est-à-dire que tu as du mal à imaginer que les femmes puissent faire les mêmes choses que les hommes, c'est ça que tu dis? Non, pas ça, c'est pas ce que je dis. Ah, c'est quoi là? Non, c'est pas du tout ça, non. C'est-à-dire qu'on est en train de couper... Pour moi, parce que les codes, le code dont tu parlais, c'est ça. Avant, on se disait, les femmes ne peuvent pas conduire de camion, les femmes ne peuvent pas jouer au football. Non, ça c'est autre chose, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas le code social, ça. Le code occidental traditionnel, c'était ça. La femme peut pas jouer au rugby, la femme peut pas faire du triple saut, la femme peut pas sauter à la perche, la femme peut pas boxer, etc. C'était ça, en fait, le code.
bref, moi j'ai pas connu cette période-là, moi je suis pas de cette C'est récent, le football féminin. La période où je suis né, enfin j'ai 45 ans, donc la période où la femme travaille, je veux dire, j'ai pas Non mais on parle pas de la femme qui travaille là, on parle de la femme qui joue au rugby. La radio carrément rock, la radio carrément libre. Tous les soirs du lundi au vendredi, message de Popin à 40 ans à Paris. Salut Maurice, l'été est fini. Dans quelques jours, il y aura l'élection du Premier ministre en Israël. Trump attend l'élection avant d'annoncer le plan de paix pour la région. Macron ayant tenté de jouer les négociateurs angéliques, mais ça a foiré. Les Iraniens mentent, on ne peut pas compter sur eux. Maurice, ma question, penses-tu que Trump, une fois le nouveau Premier ministre israélien élu, sans doute Netanyahou, va défoncer l'Iran sous prétexte que l'uranium trop enrichi et au final fera ça comme l'Irak avec des Daesh, des Al-Qaïda bis et le pétrole piqué par les USA. Je ne saurais pas quoi dire. Je pense pas que les Américains iront attaquer l'Iran. Je pense pas. Mais bon, méfions-nous. Hein. Je pense pas. Je sais pas, en fait, toi. Je sais pas quoi te dire. Lucien, 50 ans à Marseille. Maurice, bonsoir. Maurice, tu parlais à Kader de promiscuité. Qu'est-ce que la promiscuité si ce n'est qu'une jeune mariée ivre? Toi, t'es super marrant comme mec, Lucien. T'as compris pourquoi t'es seul ce soir et que personne n'est avec toi? Ouais. Bon, merci pour toutes les blagues, parce qu'il y a des blagues, hein. Je sais pas ce qu'il y a, il y a un truc qui te donne... ça te met en joie, en tout cas. Verge. 31 ans, à Lyon. Hello Maurice, et bonne rentrée. Kader est un peu agressif envers Michael, je trouve. Kader semble avoir eu une mésaventure avec une mente religieuse, non? Ah, je sais pas, on va lui poser la question. Un message de Fred, 34 ans à Bordeaux. Salut maestro, moi j'ai un conseil à donner à Kader. Regarde le film Kill Bill, tu vas kiffer. D'abord nous avons Kader, 45 ans à Troyes. Ouais. Michael, 37 à Paris. Mais oui. Allez hop Michael, c'est à toi. J'avais oublié de te donner une anecdote il y a de cela 2-3 semaines pendant la coupure de l'émission. Il y avait des mecs qui se relayaient à mon interphone et qui demandaient une certaine Belinda. Belinda, est-ce que Belinda est là? J'ai rendez-vous avec Belinda. Je viens pour l'annonce de Belinda. Je me dis, attends, là, c'est un truc de cul, là, c'est pas possible. Donc, au début, je m'énervais. Attends, combien de mecs différents? Alors, on était sur 4-5, ah ouais, 3-4 ou à 4-5 selon les jours. Ah ouais. Et surtout, le problème, c'est que ça allait jusqu'à 3h30, 4h du mat. Ah ça. Ouais, la donc Belinda... là, tu te dis, bon, c'est du cul, quoi. Belinda, la nuit, bon. Alors, moi, je m'énervais, forcément. Tu vois. Le mec, je lui dis, il n'y a pas de Belinda. Je lui dis, t'as vu l'heure, là? Et le mec revient. Oui, vous êtes sûr, il n'y a pas Belinda? Je suis tu sens encore une fois, je descends, là. Alors, le mec, non, pardon. Alors, j'entendais le mec se tailler et la grille qui claquait. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête de leur faire peur parce que tu pourras jamais faire en sorte que ça s'arrête. Donc, en même temps, je me disais, je vais déménager, mais c'était quand même insupportable la nuit, quoi. Mais alors, pourquoi tu pouvais pas couper ton interphone? Non, je peux pas. J'ai essayé, je pouvais pas. En plus, je il y a un fusible, des commandes, comme tu le sais. Il y a bien un fusible d'Amazon là-dedans. Et compagnie. Ouais. Bon. Bon, je peux pas. Voilà, quoi. Alors, tu vois, tu vas te coucher la nuit, et puis quoi, le matin, quand il te livre à 7-8 heures du mat, faut quand même que tu puisses entendre, si t'es encore en train de pioncer. Quoi, donc, attends, j'ai pas compris. Bon. Tu te fais livrer ton petit déjeuner? Ça va pas. Non, mais tu me prends vraiment. j'ai pas compris. Au lit. Mais non, mec, il a la clé d'Amazon, il me le livre au lit, avec un plateau. Ah, moi, il m'est arrivé une mésaventure assez drôle à Paris, il n'y a pas très longtemps.
Vas-y. Non, je te laisse finir ton histoire, je raconterai la mienne après. On la met de côté alors. Alors donc, le lendemain, il y a un mec qui avait l'air un peu plus cool, entre guillemets, quoi, qui avait l'air normal. Oui, bonjour, je rentre avec Belinda, machin. Je dis, écoutez, excusez-moi, monsieur, je pense que... Alors, soit il y a eu une erreur ou quelqu'un a fait une petite blague, parce que, là, les gens se relaient, demandent Belinda, mais bon, il n'y a pas de Belinda ici, quoi. Je peux vous demander, c'est sur quel site? Alors, il me dit un nom, je ne me rappelle même plus exactement, un nom avec sexe dedans. Et je dis, d'accord, je vais sur le site, et je vois la fameuse Belinda. Et là, je reconnais une de mes voisines, une sud-américaine, genre, tu vois, blonde. Et là, je lis la description, et qu'est-ce que je vois? Transsexuel brésilien de 21 ans. Je vois, putain. Parce que déjà, moi, je l'avais croisée le soir, la nuit, un peu dans l'immeuble. Elle était souvent là, en petit short, et tout, à me faire des sourires. Je dis, putain, elle est sympa, cette voisine-là. Et bon, alors là, ça m'a calmé, déjà. Et donc, je vois qu'il y a un numéro, donc j'appelle. Déjà, je vois la localisation, c'était par métro. Je vois que c'était le mien. J'appelle, je dis oui, non, j'appelle pas, j'envoie un message WhatsApp. Excusez-moi. Belinda, bonjour, est-ce que tu es disponible, machin? Oui, oui, chérie, je suis disponible, viens dans une heure, machin, je vais d'accord, c'est quoi l'adresse? Elle me donne mon adresse, donc je fais putain, c'est pas possible. Et là, je lui dis, il faut sonner à quel interphone? Et là, elle me met le 31, et là, tout devient clair dans ma tête, parce que moi, c'est le 21, et là, c'est le 31. Et donc, du coup, il devait l'appeler avec son accent ou j'en sais rien, elle devait leur dire. Et les mecs insistaient, ils revenaient, etc. Et donc là, je l'appelle. Et je dis, ouais, bonjour, c'est votre voisin. C'est votre voisin du dessous. Écoutez, là, j'ai des mecs qui s'enchaînent. Je lui explique, quoi. Elle est là, oh mon Dieu, oh, c'est pas possible, je suis désolé, machin. Oh putain. Alors bon, ça a continué encore une ou deux fois, mais après, bon, ça s'est calmé. Mais c'était quand même spécial, quoi. Et ça a duré sur 3 jours, cette histoire-là. Et alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais en même temps en embrouille avec un de mes cousins. Alors ça, c'est une histoire que j'ai pas racontée non plus, mais on s'est mis sur la gueule. Enfin, je lui ai mis sur la gueule, surtout, en fait. Et parce que bon, ça faisait 15-20 ans que ça durait, hein. Il y avait des embrouilles avec ce cousin-là. Donc du coup, moi... je pensais que c'était lui, parce que lui, c'est le roi des histoires de fou, tu sais, des coups de fil anonymes et des trucs et des colis piégés au caca et compagnie. C'est un vrai psychopathe. Donc moi, quand j'ai vu des mecs qui s'enchaînaient comme ça à me demander une pute, je me suis dit, non mais attends, là, c'est l'autre taré. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, là, j'ai les prochains qui viennent, là, je vais te donner ton adresse, je vais leur dire, Belinda, elle est là-bas. Mais t'es un vrai malade, jamais je fais ça, arrête, putain, mais c'est quoi ça, et tout. Donc quoi, il vaut mieux vérifier ces informations. Il ne faut pas accuser trop. Des fois, ouais. T'es en embrouille grave avec quelqu'un, puis il y a un truc de fou qui se passe, et puis tu vas l'accuser, le mec. Ouais. Voilà, alors c'était quoi, toi, ton anecdote parisienne, Maurice? Alors, avant de te la raconter, Gilles, 32 ans à Paris, salut. Et du coup, est-ce que la voisine de Michael lui a fait une gâterie gratos pour s'excuser? Non, mais ça va pas, non. Non, moi c'est. Moi je m'appelle pas Alexandre qui révèle tous les jours une nouvelle relation homosexuelle. Le lundi il s'est fait prendre, le mardi il a pris un mec et mercredi il s'est tapé un trans. Hein, non, mais je suis pas comme ça. Je vais à Paris pour quelques jours et j'ai des difficultés, c'était pas très longtemps après mon accident, donc j'ai du mal à me mouvoir et tout ça. Et C'est-à-dire, tu vois quand même tu as une béquille ou une canne ou un truc ou... Non, maintenant ça va mieux, hein, mais. Donc dans cette. Non, mais à ce moment-là. À ce moment-là, non, mais j'aime pas, justement, j'avais fait tous les exercices, je suis passé du fauteuil roulant à la partie debout, parce que je voulais pas avoir de canne. Donc je marche difficilement et assez lentement. Je viens à Paris, j'ai quand même envie de conduire une de mes 4 roues. Une BM, t'allais dire. Pas du tout. Une de mes 4 roues et je fais le nécessaire, je prends la caisse, tout ça. Et en fait, je me retrouve dans Paris, je suis incapable de sortir de la bagnole parce qu'elle est trop basse. Incapable de sortir. Je suis comme un con. Ah, parce qu'il faut se relever, quoi. Ouais, parce que là, et vraiment, la caisse, elle est très basse, quoi. Donc, je passe un coup de fil à un pote qui a un bureau dans le coin
Et je lui dis, voilà, écoute, je suis emmerdé, je suis pas très loin de chez toi, là. Et je suis dans ma caisse, j'arrive pas à me lever. Alors, le mec, il éclate de rire, enfin, il en peut plus. Et il me dit, bon, j'arrive. Donc, il vient. Il m'aide à sortir de la bagnole. Et je lui dis, donc voilà, maintenant, je suis emmerdé avec cette auto. Il me dit, t'inquiète, je la prends, je l'emmène chez moi, je la mettrai dans mon box. Et puis, toi, tu prends un taxi. Oh là là, c'est tu prends un taxi et puis tu vas... voilà, on se débrouille. Quelques jours plus tard, il faut que je suis avec un mec pour ramener donc la caisse dans son écrin. Et le mec me dit, j'ai laissé les clés de ton carrosse dans ma cuisine chez moi. Et ma gonzesse est, je sais pas où, au resto, dans le coin, machin, truc. Va chercher la clé, mais... Et ensuite, la clé, tu la mettras dans la boîte aux lettres. Quand t'as fini, la clé, tu la jettes dans la boîte aux lettres. Bon, très bien. Donc, je vais chez... je prends la clé. En partant, donc, je ferme le truc. Je suis avec le mec, là, je lui dis, bon, vous prenez la caisse, vous l'emmenez, je lui donne l'adresse pour qu'il y aille. Et... parce que je veux pas que le mec me voit en train de mettre la clé de l'appart dans la boîte aux lettres. Puisque le mec, c'est un chauffeur, bon... donc j'attends qu'il sorte du truc. Et au moment où je suis en train de mettre la clé dans la boîte aux lettres, il y a un type qui rentre dans l'espèce de grand hall là, de l'immeuble. Et bon, je me dis, il va pas vu. Et qu'il te voit faire. Et je pense qu'il me voit faire. Mais je me dis, bon, tu vois, faut cesser la parano et tout ça. Et je me casse, je fais des trucs. Le soir, mon pote m'appelle. Allô, ouais, je t'appelle. T'as pris ma télé ? Oh. Et le mec, il a une télé de je sais pas combien, d'une 160, un truc gigantesque, tu vois, un poste de 75 pouces, quoi. Je dis, comment ça, j'ai pris ta télé, j'ai du mal à marcher. Mais il me dit, je sais pas, mais ma télé, je suis rentré chez moi, ma télé, t'es plus là, quoi. En fait, je pense que le mec qui est rentré derrière moi, ça devait être un livreur, c'est des mecs qui ont les passes là pour les boîtes aux lettres. Et le mec, il a dû aller visiter, mais je pense qu'ils ont dû s'y mettre à plusieurs parce que le poste, il était grand. Hein. Putain. Ouais, ça se trouve, il y avait un collègue, tu sais, qui attendait dans le camion. Et il lui a dit, tiens, viens voir là, j'ai besoin d'un coup de main. Les mecs, ils lui ont tapé la télé. La télé, ouais. Je me dis que j'ai eu de la chance qu'on n'ait pas eu une autre stratégie, parce qu'autrement, il aurait laissé les clés de ma caisse sur le barré avec. Alors, ça m'aurait fait moins rigoler. Hein. Alors, moi j'ai un épisode avec un pote. Alors, avant que tu le racontes, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Alors, qui va là, je te prie. Fabrice, 47 ans, ouais. Aïe. Ah, ça, c'est fort. Hein. Bon, allez-y, Mickaël. Ah, j'ai carrément enlevé les écouteurs. Là. Ouais, Fabrice, fais quelque chose, s'il te plaît. Ah, il faut que tu baisses, baisse le qu'est-ce micro. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Baisse le micro, Fabrice. Baisse. Baisse le micro ? Ah, ouais, j'ai loin le micro, ça va mieux, là ? Ouais, voilà, ça va mieux, c'est moins agressif pour nos oreilles, c'est très gentil. Et tout ce que tu penses possible pour améliorer notre confort auditif. Voilà, ce qu'on te demande. Ouais. Donc, un autre épisode, une fois, on était avec un pote. On revenait de soirée et il était complètement bourré et donc du coup il me dit bon écoute là je vais pas pouvoir te raccompagner, moi non plus je peux pas rentrer chez moi, il y a mes parents qui habitent à côté, c'était à Créteil, là on était dans une soirée barbecue qui avait fini à pas d'heure, on était complètement pété, il me dit viens on va dormir chez eux, j'ai les clés, ils sont en vacances, ils sont pas là, j'ai dit ok, on va dormir chez eux et quand on se réveille on voit la chaîne Hi-Fi posée comme ça dans l'entrée, plein de merde comme ça, t'es de la vieille télé de ses parents, la vieille chaîne Hi-Fi, tu sais, des années 90, la Philips, là que tout le monde a eu, par terre, la Sony, pardon, par terre comme ça. Et on comprend, les mecs, pendant qu'on dormait, il y a des mecs qui sont venus cambrioler. Et à mon avis, ils nous ont vus, l'un de nous en train de dormir dans un coin, ils ont dit putain, il y a du monde, et les gens, ils ont laissé ça dans l'entrée, ils sont tirés, tu vois. Ou seconde option, il y en a un qui est arrivé qui a dit mais c'est quoi ce vieux truc là, vas-y, laisse ça là. La vieille chaîne bourrie, la vieille télé cathodique et tout, ce qu'on en fout, tu vois. Donc ouais. Voilà, ouais, non, il y a des histoires des fois. Ouais, comme quoi, faut pas boire trop d'alcool. La main à Fabrice de Vincennes, attention les oreilles. Oui. Oui, ça va là ? Ouais, là ça va. Allez-y. Ok.
Ok. J'aimerais parler de l'horlogerie de luxe. Oh. Ah, ça, va falloir voir ça avec Maurice. Eh ben vas-y, Fabrice, c'est à toi. On va pas de dossier là-dessus, donc on n'a pas envoyé quelqu'un chercher le dossier sur l'horlogerie de luxe. Sur le lot, ok. Alors, c'est une anecdote, mais tu verras qu'il débouche sur quelque chose de très concret. C'est dans les années 80, quand l'école Le Locke, c'est tout ce qui est mouvement de pendule haute de précision, mais mécanique. Et dans les années 80, quand c'est passé au quartz, il y a des petits fabricants qui ont fermé la porte parce que tout le monde voulait du quartz et personne ne voulait plus de mécanique, quoi. Donc, ce qui s'est passé, il y a des Russes qui sont venus racheter toutes les machines-outils et qui ont acheté un mouvement monté sur 31 rubis qui est très efficace, en montre automatique. Et ils ont créé leur propre marque, à savoir Vostok Amphibia. Et ils ont habillé le mouvement suisse avec un boîtier russe en acier inoxydable marine. Voilà. Et moi, j'en ai acheté une. Ça fait 5 ans que je l'ai. Elle perd 7 secondes par jour. Non, elle avance de 7 secondes par jour. Après 5 ans, je pense que ça vaut largement une Rolex ou autre chose, quoi. Voilà. Donc, j'ai peut-être pas encore 50 ans. J'aurais peut-être le temps de m'acheter une Rolex pour voir si j'ai pas loupé. Il y a mieux que Rolex, Fabrice. Quoi ? Il y a mieux que Rolex. Non, mais c'est pour donner une référence. Rock'n'roll est bonnet. Maurice Radio Libre. La radio carrément libre. Wow. On tient le bambou, hein. Pas le bambou, mais le bon bout. On marque ici, on peut aussi tenir le bambou. Hein. Quand il y a du vent, ça. Bah. Je salue et j'embrasse Justine, que je n'ai pas croisée depuis extrêmement longtemps, et qui est donc connectée sur le chat de Maurice Radio Libre. Merci Justine de nous rendre visite, et j'espère que tu nous donneras donc de tes nouvelles, que tu nous raconteras où tu en es. Allez, on y va. À bord, nous avons Kader, il a 45 ans, il est à 3. Michael a 37 ans et il est à Paris. Oui. Fabrice a 46 ans, il est à Vincennes. À 47 maintenant. Ah, pardonnez-moi, 47 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Bonsoir Julien, 44 ans, Montois. Montois, c'est Mont-de-Marsan alors. C'est le gentilet de Mont-de-Marsan. Eh ouais, Mont-de-Marsan, je connais bien. Bon, très bien ça. La main à Fabrice et ensuite on va sur les bords de la 12 et de la mi-12. Voilà. Donc pour terminer sur la Vostok Amphibia, il y a un site qui est très bien qui s'appelle Christopol City. Ça s'écrit comme Christopol City, mais vous enlevez le R et vous verrez des montres qui sont tout à fait valables. Enfin, il y en a avec plusieurs looks différents. Et pour 80 euros, vous faites livrer une. Mais c'est quoi ça, Fabrice? C'est ta nouvelle arnaque ou quoi? Au début j'ai cru que c'était de l'arnaque quand je l'ai acheté sur le net et je me suis dit c'est une arnaque. Et puis en fait, non, tu te la fais livrer chez toi 2 semaines après. Tu prends la poste russe parce que ça met un peu plus surtout, de temps. On la connaît, la poste russe, elle est rapide. Voilà, ça met 2 semaines. Tu mets 2 semaines, mais la poste russe c'est beaucoup moins cher que le chronopost. Hein. Ouais, c'est raisonnable, 2 semaines. Moi, j'ai commandé sur Amazon, j'ai déjà reçu en 2 mois, quoi. Un truc qui venait de Chine, le temps que le conteneur soit plein. Ah ouais, carrément. Tu reçois le produit. Tu commandes des conteneurs entiers, toi ? Non, j'avais commandé des petits entonnoirs en plastique pour remplir ma petite bouteille de drogue. qui venait de Thaïlande. Et ça a mis un mois et demi à 2 mois avant d'arriver, quoi. Avec la poste thaïlandaise, c'était 20 centimes les 5 entonnoirs, frais de port gratuit. Donc je ne sais pas comment ils font des bénéfices,
C'est des petits entonnoirs tout petits en plastique, donc de très bonne qualité, de très bonne facture. Je sais pas comment, j'ai payé ça 20 centimes sans les frais de port. Et c'est arrivé en fait, c'est du plastique recyclé de leur centrale nucléaire, en fait, c'est pour ça, ils te les donnent. Ah ouais, ouais, bah peut-être, mais. Enfin bon, voilà, excuse-moi Fabrice de t'avoir coupé. Oui, oui, juste, je voulais préciser qu'elles sont étanches jusqu'à 200 mètres. Hein. Ouais, ah, bah ça, ça va intéresser Maurice, lui. Au cas où une morue te demande l'air. Là, le non, c'est surtout, pour les gens, les gens qui nagent jusqu'à 200 mètres de profondeur avec leur montre. Ah ouais. Il y en a qui descendent jusqu'à 200 mètres avec des mélanges. Mais on va, descendre à 200 mètres. Ouais. Je prends ma toquante ou pas? Déjà à 2-3 mètres, t'as les yeux de la tête que tu valais 200 mètres, tu racontes toi. Non, vous inquiétez pas, c'est pas une arnaque. Pour 80 euros, c'est livré chez vous en une semaine et demie, deux semaines. Non, moi, attendez, moi je veux bien acheter cette montre à la condition, je veux pouvoir acheter cette montre à la condition express que je puisse nager jusqu'à 200 mètres sous l'eau sans qu'il y ait la moindre goutte à l'intérieur. C'est hyper important. Non, j'adore l'argument, tu vois. Étanche jusqu'à 200 mètres, quoi. Pour qui? Tu vois? Pour qui? Qui va aller? Attends, c'est l'histoire d'un mec qui veut acheter une montre pas chère et qui plonge à 200 mètres, quoi. Tu veux dire, t'imagines rien que l'équipement pour plonger 200 mètres? Ah non, mais moi sur les montres, je mets 50 balles, hein, pas plus. Mais il faut qu'elle soit étanche jusqu'à 200 mètres. Parce que quand je suis dans l'eau, j'aime bien regarder l'heure. Mais on s'en sert plus en plus des montres aujourd'hui, Fabrice, avec les téléphones. Plus personne n'a de montre. Non, non, mais c'est le dernier bijou que peuvent avoir les hommes. Donc une montre automatique à ce prix-là. Non, il y a les cock rings aussi. Non, mais... Donc elle est automatique. Les cock rings, c'est pour les hommes. Non, mais enfin, si tu achètes. Si tu dois acheter une montre. Non, mais si tu. Non, elle est automatique. Non, mais attendez. Les montres aujourd'hui, les montres de luxe, l'horlogerie de luxe, ce sont des montres automatiques pour la plupart. C'est une belle montre, on va pas faire la série des marques. Hein. Une belle montre, normalement, c'est une montre automatique et étanche raisonnablement, quoi, qui te permet, qui aime pas trop l'eau chaude, hein, attention, parce qu'il y a marqué étanche, etc. Mais ces montres, toutes ces montres étanches, elles aiment pas le savon de la douche. Hein, elles acceptent que tu ailles à la piscine, que tu fasses un petit bain de mer. Bon, maintenant, j'allais jusqu'à 200 mètres avec... Ça, <c'est... rire> à part le mec qui a éventuellement fait le test, personne d'autre ne le fait. Mais voilà, une belle montre est en général, aujourd'hui, automatique. Voilà. Bon, tu nous donnes le lien, Fabrice, qu'on aille se faire arnaquer. Christopolcity.com. Ouais. Tu enlèves le R, ça fait schistopolcity.com. Voilà. À Schistopol. City. City.com. Voilà. Et ça, c'est pour acheter les montres à 50 balles. J'ai pas compris l'histoire de la montre. La montre, elle est à 56, 57 dollars. Et avec les frais de port, ça t'en revient à 80 euros. Quoi. 80 euros chez toi. Mais quel est l'intérêt d'acheter cette montre à 80 balles pour réussir sa vie, moi. Parce que c'est un mouvement qui est de très bonne facture. C'est une montre de luxe, en fait. Ben non, c'est pas une montre de luxe. Une montre de luxe, l'horlogerie de luxe, c'est l'horlogerie de luxe. Tu sais, c'est un peu ce qu'on vend aux gens. On leur dit qu'ils peuvent dormir pour 300 balles la nuit dans un hôtel de luxe. Alors qu'à 300 balles la nuit, c'est pas un hôtel de luxe, c'est un hôtel cher. Ta montre à je sais pas quoi. À 80 balles, c'est une montre à 80 balles, c'est pas une montre. Mais t'es jaloux, Maurice, c'est tout. 80 balles. Bien entendu, oui, il faut. Il y a un mec qui avait une belle montre. Faut tenir compte de ma jalousie. Une belle montre. Et je lui montre la montre, je lui ai la montre du combien. Il m'a dit 600 euros. Mais non, mais tu te rends bien compte, c'est pas une montre de luxe, c'est le prix d'une flic flac. Non, mais 600 balles, c'est pas de l'horlogerie de luxe, Fabrice. Une montre à 600 balles, c'est une belle montre, c'est une jolie montre. Mais c'est pas une montre de luxe. Tu sais, de l'horlogerie de luxe, tu prends une Montblanc automatique avec mon. Mais non, mais Fabrice, une montre de luxe aujourd'hui, il faut mettre 2000 balles, quoi. Entre 1500, 2000 euros, tu commences à t'approcher de l'horlogerie de luxe.
Mais à 600 euros, t'as une très jolie montre, mais t'es pas dans les montres cotées. Parce que quand on parle de l'horlogerie de luxe, en général, on parle de montres qui vont tenir la cote. Je parle pas dont la manufacture est de bonne qualité, le mécanisme est un mécanisme. Il y en a, il y en a une dizaine qui sont répertoriés, donc ça doit être dans ces mécanismes-là. Donc c'est une montre qui va pas s'user, qui va pas perdre ses fonctions de montre avec le temps. Et puis surtout, c'est une montre qui va tenir. Tu penses à la Rolex, c'est pour ça. C'est une montre qui va tenir la côte. Quand on n'a pas encore été présenté, on ne parle pas. Qui es-tu, s'il te plaît? Voilà, Lucas, 25 ans de sa chambre. Attention, Lucas, hein. Tu me connais, moi, faut respecter la règle. Autrement, je te mords le visage. Une Rolex, Maurice, parce que j'ai aucune idée, quoi. Rolex de base. Le premier prix d'une Rolex, c'est 4000 euros. Avec 4000 euros. Ah, quand même. Avec 4000 euros, t'es une. C'est plus cher que ça, Julien. Avec non, quoi. Le premier prix. Oui, je sais qu'il y a des montres très chères. Non, mais je demandais le. Parce que on a tous la phrase de Séguéla, je sais plus comment. C'est foutu de sa gueule avec sa phrase. À 50 ans, si t'avais pas. Oui, d'accord, mais bon. Bah alors. Elle est restée. Tout le monde la connaît, cette phrase. Oui, C'est une phrase culte. Mais t'as vu la gueule de ces gars-là, tant il lui ressemblait, franchement. Bah, non, mais bien sûr que non, mais c'est pas le problème. J'en ai rien à branler d'avoir une Rolex. Non, je c'est pas vrai. Juste le prix à Maurice d'une Rolex parce que j'en ai aucune idée, quoi. Voilà. Les montres, c'est pas quelque chose. Les bijoux, c'est pas quelque chose qui m'attire, quoi. Mais il y a de très belles, montres de luxe, et c'est pas ridicule d'avoir une belle montre. C'est pas essentiel, contrairement à ce que disait le Pépé là. C'est pas essentiel, mais c'est bien. C'est un beau bijou, quoi. Je veux dire, celle ou celui qui a un petit peu d'argent à dépenser dans un truc et qui se dit qu'il peut changer d'avis. Je pense que l'horlogerie, c'est une bonne démarche parce que tu peux 10 ans, 5 ans après te dire bon, finalement, je la mets pas, etc. Et tu vas la revendre. Alors tu vas pas forcément retrouver ton pognon, mais tu vas pouvoir la revendre. Alors ça dépend des modèles. Il y en a certains, tu peux récupérer le double de ton pognon même. Sympathique. On ne parle pas des mêmes modèles. C'est comme tout. Là, on parle pas des mêmes modèles. T'achètes une Chiron, tu la revends dans 10 ans, tu fais du bénéfice, quoi. Ah ben aujourd'hui, une Bugatti, une EB110. Ça se vendait 300 000 euros, maintenant ça vaut 1 million d'euros. Elle est plus chère aujourd'hui, elle est trois fois plus chère que quand elle était vendue neuve. Et ça, c'est pour une occasion. Ouais. Tiens, à propos de la Bugatti Veyron, j'ai une anecdote, ce qui est véridique. Il y avait un propriétaire de Bugatti qui s'est planté dans la mer, qui est tombé avec sa voiture dans la mer. Et tu sais ce qu'il a dit? Je regardais un pélican en train de s'envoler. Ah ouais. Ouais, il a été diverti et il a fait un petit écart et la voiture a terminé dans la mer. Ouais. Enfin, on a eu pire que ça en France. On a le mec qui a foncé tout droit dans un lac à un rond-point parce que ce con, on lui a dit d'aller tout droit. Lui, il s'est pas posé la question, il a été dedans, quoi. C'est pire parce que tu vois le truc, tu vas quand même. T'es débile. Pour le débat sur les montres, moi je dis allez voir sur schistopolcity.com la Vostok Amphibia et c'est pas bien. Une arnaque, c'est vraiment une super montre. Hein. Elle est d'accord, très mais fiable. Honnêtement, vaut mieux chercher la Vostok Amphibia jusqu'à 200 mètres. Moi, je préférerais m'acheter une Swatch, hein, à la rigueur, tu vois. Franchement, Swatch, ils font des bons modèles, solides, envie de... M'acheter une quoi? Une Swatch, si t'as besoin. Une Swatch à 60 balles. C'est sympa. Combien ça coûte, 60 balles, une Swatch? Non, même, t'en as des prix plus... 60 balles, ouais. T'as tout comme modèle, plus sport ou pas. Après, tout est une... C'est la belle montre suisse. Là, on est dans « À qui je donne mon pognon ?» Ouais, mais pas automatique. Attendez. Là, on est dans « À qui je donne mon pognon ?» La question que tu dois te poser, c'est tes 80 balles, est-ce qu'il vaut mieux que tu les donnes à un petit commerçant qui vend des montres pas très loin de chez toi, qui vend des montres à 50 balles, à 80 balles, et donc participer à la vie de ce monsieur ou de cette dame qui est au coin de chez toi ?
Ou est-ce qu'il vaut mieux que t'envoies ton pognon par la poste à je sais pas quel mec qui a fait encore un truc formidable, qui est je sais pas où en Russie, qui va t'envoyer une montre et dont tu vas pas pouvoir vérifier les performances. Moi, je pense qu'il vaut mieux donner les 50 balles au pied de ta rue à un mec. Ah, c'est la mondialisation, Maurice. Oui, mais je sais ce que c'est la mondialisation, mais je dis. Que les mais non, je sais rien, Maurice. Je pense, et je vous invite et je vous rappelle, parce que je suis comme ça, qu'il vaut mieux dépenser les 50 balles au pied de votre chemin plutôt que. Comme ça, vous allez continuer à avoir des commerçants, des petits commerçants dans vos, sur votre, au pied de votre maison plutôt que d'aller alimenter, je sais pas, je ne sais quel manufacture, fabricant de montres, je sais pas où, à l'autre bout de la terre, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Voilà. Ou alors acheter une montre, quoi. Acheter, dépenser du fric et acheter une vraie montre. Terminé. Hop. On va écouter. Eh bien, on va écouter Julien à Mont-de-Marsan, donc. À Mont-de-Marsan, ça y est, depuis lundi après-midi, 15h, je suis dans mon nouvel appartement. Enfin, studio, on va dire, plutôt qu'appartement. Bah, pourquoi les cartons encore ou... Un studio, non, c'est un appartement. Tout était meublé. Tout est meublé, tout est. Il y avait du shampoing, il y avait une brosse à dents avec du dentifrice, il y avait des rasoirs pour le rasage. Là, c'est comme à l'hôtel, quoi. C'est hallucinant, quoi. Là, le placard était plein de plats préparés, de sucre, de café. C'est fou, ça. Il y a du liquide vaisselle, du poivre, du sel. Comme une location de vacances, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'ai halluciné, quoi. Ouais. Il y a un bon, bien sûr, frigo, micro-ondes, tout a été repeint. Bon, je suis en rez-de-chaussée, donc ça, c'est un peu chiant. Je ne peux pas ouvrir mes fenêtres en grand. Comme je vis en caleçon et que je pèse 160 kilos, je n'ai pas envie que tout le monde... ça, c'est un peu dommage. Que tout le monde se masturbe en te regardant. Oh. Ah ben, il y en a à qui ça plairait. Hein. Mais attends, je comprends pas. C'est parce qu'il n'y a pas de rideau, c'est ça ? J'ai pas compris. Il n'y a pas de rideau ? C'est parce qu'il n'y a pas de rideau, c'est ça ? Si, il y a des rideaux, mais ils sont sur chaque pan de fenêtre, en fait. Donc quand j'ouvre la fenêtre, les rideaux suivent avec la fenêtre. Quoi. Tu vois, mais prends-toi des voilages. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Il n'y a pas de. C'est pas une tringle avec un rideau que je peux mettre entre les deux battants de la fenêtre. D'accord. Donc voilà, là. Donc je laisse en clé mes volets et puis j'utilise. Ah, mais ça, c'est pas bon ça, pour ce que tu as, hein, de rester dans l'obscurité. Mais je sors. De toute façon, depuis que je suis là, je reste pas à l'appartement. Essaye de trouver quand même une solution pour laisser entrer de la lumière, hein, de la luminosité, sans qu'on te voit type voilage ou j'en sais rien, tu vois. Julien, vu que tu aimes vivre en caleçon, est-ce que tu as déjà fait du naturisme ? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon, c'était à quelle occasion ? Bah, pendant les vacances, avec ma gonzesse, on se foutait à poil sur les plages naturistes. Quoi. Ah. Voilà, sans problème. D'accord. Mais bon, j'étais mieux gaulé à l'époque. J'avais moins honte de mon corps. Bon, moi, j'aimerais savoir, Julien, donc, tu as quitté, donc, pour ceux qui ne le savent pas, tu as quitté le logement chez ta maman, chez laquelle tu étais depuis 12 ans. Hein, 12 ans, c'est ça ? Voilà, depuis 12 ans, ouais. Apparemment, c'est elle qui m'a dit que ça faisait 12 ans que je vivais avec elle, quoi. Ouais. Pour s'installer. Enfin, chez lui. Là pas, mais nous on l'a. On l'a pour toi, quoi, je veux dire. Quand t'as besoin, t'as juste à écouter notre Maurice programme. Maurice Radio Libre présente. L'enquête de Maurice sur l'incroyable secret d'Emmanuel. Donc à minuit, on va aller danser des heures. J'ai invité plusieurs filles à passer la fin de soirée de minuit à 2h du matin. On va aller danser un peu de salsa. Attends. Des danseurs ? Mais pourquoi tu danses à salsa ? Comme un sud-américain ? Tu es en train de me dire, Emmanuel, du Perreux-sur-Marne, tu es en train de me dire que tu es un danseur de salsa. Je danse un petit peu la salsa. De là à dire que je danse très bien, non, mais je danse la salsa. Je danse la salsa portoricaine ou cubaine. La salsa portoricaine se danse en ligne et la salsa cubaine se danse au choix. Ah ouais ? Au point d'être capable de faire des nuances comme ça. Alors,
je suis sur le cul. Et ouais, t'as appris où ça à Cuba et t'es allé à Cuba? J'ai appris dans une école de danse. Et puis j'ai aussi appris dans une boîte. J'ai dû commencer vers 2006-2007, quelque chose comme ça. Ah ouais, putain, donc Emmanuel Dupéreux, il a presque 10 ans de salsa derrière lui. Hey, salut les regardants donc qui regardent donc ma liquette caramel de ce soir sur notre chaîne Maurice Radio Libre sur YouTube. Et j'embrasse Sylvie de Béziers, la fidèle. Hop là. Ici par ici nous avons Kader, il a 45 ans, il est à 3. Oui. Michael, 37 ans à Paris. Michael à Paris, ding ding ding. Qu'est-ce qu'il fait, ouais, mais... Ouais, ouais. Bah, faut se réveiller, mon vieux. Fabrice, 47 à Vincennes. Un bon présent. Julien, 44 à Mont-de-Marsan. Vive la paix entre les peuples. Et Lucas, 25 ans à Saint-Chamond. Oui, oui. Bon, très bien. Allez-y, Julien. Et ensuite, on ira à Saint-Chamond voir comment ça se passe. Ouais, donc voilà, donc tout se goupillait bien jusqu'à ce matin où je reçois un coup de fil suite à un mail que j'ai envoyé hier à mon pôle emploi parce que j'avais pas de nouvelles du devis qu'ils devaient accepter pour me payer ma formation. Et ce matin, j'ai ma conseillère qui m'appelle et qui me dit « Ah mais non, mais c'est pas à nous de vous payer la formation ». C'est votre employeur qui doit payer la formation et qui doit vous payer. Le CAP de boucher que vous faites, c'est un contrat de professionnalisation. Donc, c'est pas du tout à nous et tout. Alors, je vous explique que j'ai eu la chambre des métiers de l'artisanat, que j'ai eu le CFA, que le CFA me dit bien que c'est le Pôle emploi qui doit me payer, tout ça. Elle a été odieuse au téléphone en me disant que c'était à moi de me renseigner, tout ça, que j'avais pas fait mon stage chez un boucher avant de faire la demande. Alors je lui ai dit, mais c'est parce que j'ai pas reçu les papiers et tout. Elle me dit, oui, bah, vous auriez dû vous renseigner et tout. Je lui ai dit, non, mais quand j'étais à Auch, c'était peut-être à... Ouais, mais c'est toi qui as bouffé la feuille. C'est toi qui as bouffé la feuille. Parce que j'ai reçu la feuille, en fait. J'ai reçu une feuille... que je devais présenter à mon employeur. Et donc, moi, je pensais que cette feuille, il devait la remplir et qu'à la fin du stage, je devais la renvoyer à Pôle emploi, quoi, c'est tout. Et Pôle emploi, j'avais commencé le... Bah oui, mais quand tu le sais pas, tu le devines pas. Donc là, le mardi, j'allais pour commencer le mardi. Le vendredi, il m'appelle, le Pôle emploi, il me dit « Ah non, vous pouvez pas commencer mardi. Il faut remplir une convention de stage avec les horaires. » Le numéro de SIRET et tout, sinon vous n'êtes pas assuré, c'est considéré comme du travail au black et tout, il n'y a pas moyen que vous commenciez, quoi. Donc je lui dis, bon, bah écoutez, envoyez-moi les papiers au plus vite, par mail, je vais les imprimer, les remplir, les faire remplir par le boucher, vous les renvoyez, quoi. Donc je fais faut ça. Faut même pas que ça t'étonne, et... avec Pôle emploi, c'est toujours comme ça. Ils te disent, faut deux papiers, quand ils retournent, ils mille où le troisième, tu vous foutez de ma gueule. C'est tout le temps comme ça, les gars. Ah ouais, bah là, ils ont même pas reçu, j'ai fait remplir. Moi, ça me donne même plus, je... J'ai fait remplir le papier par le patron, je leur ai envoyé par courrier, elle me dit « Ah non, on n'a rien reçu, nous on n'a rien reçu. » Je te conseille reçu, d'aller quoi. Sur place et de faire tamponner avec Pôle emploi. Alors que je l'ai envoyé, mais j'habitais à 1h15 de là, alors pour venir au Pôle emploi juste pour faire un tampon, j'aurais dû envoyer un recommandé avec accusé de réception, mais c'est 5,25€ à chaque fois, quoi. C'est ce que je fais tous les 6 mois quand je dois renouveler. Quand je dois renouveler mon ASS, c'est ce que je faisais. En fait, tu le fais en ligne, ça. Tu le fais en ligne. Tu t'actualises en ligne, ça. Non. Il faut que j'envoie tous les 6 mois. Il faut que j'envoie ma feuille d'imposition. Oui, j'ai compris. Ma feuille d'imposition, comme si elle allait changer en 6 mois, quoi. Je dois la renvoyer 2 fois, 3 fois par an. Quoi. T'es peut-être devenu millionnaire en 6 mois, hein, qui sait. Bref. Donc du coup, j'avais rendez-vous avec mon addictologue à 14h. Elle me dit, écoutez, je vais la meuf du Pôle emploi, elle me dit, je vais appeler le CFA et tout ça, je vais voir avec eux. Je vous rappelle dès que possible. Donc elle me rappelle, j'étais avec mon addictologue et en fait, elle me dit, ah bah oui, c'est bon, c'est nous qui finançons. C'est parce que c'est pas un contrat, donc vous allez continuer à toucher vos ASS. C'est nous qu'allons vous payer, c'est pas du tout le...
C'est pas un contrat de professionnalisation. Professionnalisation. Voilà, c'est pas un contrat comme ça. Et donc, c'est bon, c'est à nous. Donc, je vous valide le projet dans l'après-midi ou demain matin, au plus tard et tout ça. Et donc, vous pourrez demander votre convention de stage pour aller. Parce que je lui dis, moi, j'ai trouvé un patron. Je lui dis, si je me fais griller la place, j'ai vraiment envie d'aller travailler pour grands frais, là. J'ai vu leur rayon boucherie et tout. J'ai parlé avec eux. On voit que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et tout. J'ai vraiment envie de travailler pour eux, quoi. Et donc, je veux pas me faire baiser la place, quoi, par quelqu'un d'autre. Et attends, tu passes le CAP ou pas? Tu passes un CAP Un CAP, ouais. Donc ils vont te faire passer, Pôle emploi, ils vont te faire prendre des cours de français, d'histoire géo, des non, des non, parce que j'ai déjà un BEP CAP, donc j'ai plus besoin de passer ça, en fait. Ah, mais il y aura des matières que tu vas être obligé de faire, genre des matières d'école. Non, comme j'ai déjà un BEP et un CAP, le CFA m'a dit... Il va devoir passer son brevet. Vous êtes exempté de français, histoire, machin... Vous ferez que les cours concernant le droit, le droit fiscal, tout ça, le droit du boulot, les règles d'hygiène, après la découpe, tout ça. La PSE, par exemple. PSE, je sais pas ce que c'est. Tu vas être obligé de le faire. Mais moi, si on m'a dit ton goût pour les psychopathes et tout, moi, ça me fait peur que tu deviennes boucher, qu'on t'initie à l'art de la découpe de la viande, tu vois. Mais là, tu n'as pas le métier de boucher, c'est... J'ai jamais tué d'animaux quand j'étais jeune, même si je suis pas un psychopathe dans ce sens-là, quoi. Il y a des psychopathes qui se contiennent et qui se gèrent. Toi, t'es un psychopathe abstinent, pas, c'est ça? Oui, voilà, je suis un psychopathe abstinent, voilà. Si tu veux, quoi. Je crois des fois être dénué de sentiments. Mais en est-ce fait, que tu vas prendre plaisir quand tu vas découper la viande ou pas? Je pense que oui. Oui. Un plaisir un peu charnel. Mais... Non, je vais pas bander, il y aura rien de sexuel là-dedans. mais un plaisir, oui, charnel. Oui, je pense que je vais prendre plaisir à désosser, à découper la viande au mieux. Non, mais ma question, en fait, est-ce que ça va te calmer un peu dans tes élans psychopathes, quand même, parce que tous les jours, Non, mais j'ai pas d'élan psychopathe. Mais c'est noble de donner à manger à son prochain, c'est ça qui est fantastique. Non, surtout de la bonne qualité, quoi. C'est ça qui me motive. C'est un délicatessen. Il va vendre de la viande humaine. Non, mais je sais plus dans quel pays c'était. Là, j'ai entendu un podcast où quand t'avais entre 12 et 14 ans en Chine, c'est une histoire qui fait une meuf qui fait des streamings sur YouTube, Québécoise, et elle raconte des histoires. Et il y a un mec qui l'a bouffé une gamine, et en fait, c'était quand il était en Chine avec l'armée, il y avait plus rien à bouffer. Et quand t'avais entre 11 et 14 ans, il fallait pas traîner dans la rue parce que les parents vendaient leurs enfants aux boucheries et tout ça nourrir la population. C'est une légende urbaine un peu avec tous les animaux. Non, ça s'est passé en Chine. C'est vrai, quoi. Bon, très bien. C'est vrai. Ok. Ça paraît un peu fantastique. Bah écoute, renseigne-toi. On va écouter Lucas Saint-Chamond, je vous prie. Ah, mais même la Chine avec la politique de l'enfant unique, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un ou deux qui aient fini en M à la fin. Oh, le M, et tu sais, toi, tu vas te faire virer un jour. Non, mais je veux dire, c'est... Non, je te dis, c'est pour toi. C'est la vérité. C'est la vérité, les mecs. Les histoires comme ça, on en voit de partout. Moi, j'en ai vu de partout. Et ils disaient qu'ils vendaient les fesses comme du veau. C'était la partie la plus chère. Les Chinois, c'est des cannibales. Non, attention, ne commencez pas à essayer de nous attirer des ennuis, parce que, laissez tomber cette histoire d'enfants qui sont mangés, tout ça. Laissez tomber ce truc-là. Vous voyez bien, vous êtes en train de vous enfoncer dans un truc qui... Ça va mal finir, et moi, je vais finir à faire des explications écrites et à envoyer l'avocat de Maurice Radio Libre.
avec votre pognon, parce que vous êtes obligé de donner. À l'ambassade de Chine. Ouais. Bah, pas l'ambassade de Chine, mais à l'ambassade chinoise. Il va devoir envoyer tous les extraits, Maurice, où il a dit voilà. J'adore les Chinois, je salue ce peuple. Bah, c'est surtout qu'on va nous présenter des extraits qui seront un peu montés, donc il va falloir batailler, ça va durer longtemps, je suis loin, et ça va nous coûter de l'argent qu'on n'a pas. Donc partez sur autre chose. Je comprends, allez, on arrête. Faites un truc simple. Surtout que je vous rappelle qu'avec Hong Kong, ça se passe mal, donc ils doivent chercher des endroits où mordre. Hein, tu vois. Et nous, on est trop petits. Bon, allez-y. On va éviter les sujets sensibles. Ah, le sujet qui dépasse notre puissance de feu. Les psychopathes, c'est dans le monde entier, quoi. Quand bien même, si le mec, il prend du plaisir à découper de la viande, s'il a une érection pendant qu'il découpe, un rôti de porc. D'ailleurs, c'est pas interdit par la loi, quelque part. J'ai pas dit que c'était interdit, je lui ai demandé si c'était le cas. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais pourquoi tu penses pas qu'il peut y avoir une relation charnelle entre découper et... Parce que peut-être que ça va atténuer tes envies. Non, mais charnel, c'est pas sexuel. Pour certains... Mais on dit souvent que les tueurs, c'est pas frustration. Mais découper l'entrecôte parfaite, j'imagine que ça doit être dans le métier. Tu vois, que ce soit exactement ce que le client y veut. Moi, mon boucher, quand j'y vais, je lui demande 1 kg de viande hachée. Il pèse. Il fait ça à la main, là. Il pèse. Il y a 1 kg et 20 g, quoi. Je lui demande une d'entrecôte de 800 grammes. Et il la découpe, il la pèse, elle fait 801 grammes, quoi. Tu vois, et moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Je trouve ça... ça m'espante, quoi. Je reste en admiration devant ce genre de personnes. Et c'est ce genre de personne que j'ai envie de devenir. Voilà. Un mec qui sait à peu près couper un morceau de barbac à 800 grammes. Ouais, voilà, tout simplement. Un mec qui sache faire son métier, qui soit amoureux de son métier. J'espère, en prenant la boucherie, avoir trouvé ma voie, quoi. Après toutes ces années de commercial, à vendre de la merde à n'importe qui, à n'importe quel prix, au détriment de ma santé, au détriment de mes couples, au détriment de ma vie entière, à faire des heures pas possibles, à saouler des gens chez eux pour leur vendre des climatiseurs ou des isolations pour leur toit. Moi, je comprends pas. Comment vous faites pour partir en dépression ou en burn-out? Tiens, c'est un jour ton boulot, ton chef, il te met la pression et tout, tu lui dis, mais vas-y, moi, vas-y, mets-moi la pression. Vire-moi si je fais pas l'affaire, t'sais. Mais il n'y a pas de pression. Après, les gens, ils se rendent malades parce qu'au boulot, ils se font taper dessus par un patron. Mais tu dis à ton patron, tu dis, mais si je fais pas l'affaire, vire-moi. Ouais, mais toi, tu prends des boulots de merde aussi, tu t'en bats les steaks. Lucas, mais bon, voilà, moi aussi, si je me fais virer du truc de verre, moi aussi, je lui dis, va te faire enculer, je m'en fous, tu vois. Bah ouais, mais ouais, mais au moins... Si c'est un boulot qui te tient à cœur, une place qui te tient à cœur, que t'as galéré à avoir, c'est pas pareil. Hein. Voilà, c'est des métiers dans lesquels j'avais envie d'exceller et que je prenais à cœur, quoi. Donc, moi, quand je me mets dans un boulot, je m'y mets à cœur, je m'y mets à fond. Et quand il n'y a pas de reconnaissance, qu'on te surveille de plus en plus, qu'on t'en demande toujours plus, alors qu'au début... on te faisait miroiter quand on t'a embauché. Oui, dans 6 mois, on réévaluera ton salaire et tout. 6 mois après, tu viens voir ton patron, tu lui dis, au fait, tu te souviens, il y a 6 mois, quand je suis arrivé, on a dit qu'on parlerait de mon salaire et tout. Et puis là, alors peut-être que je faisais pas l'affaire. Hein, dans ce cas-là, il fallait me changer, quoi. Peut-être que j'étais pas assez bon, mais il y a des patrons qui t'envoient chier sur les roses. Et quand tu as une certaine proximité avec ton patron, et quand tu vas le voir pour ça, dès que tu parles d'argent, il t'envoie chier comme un chien dans un jeu de quilles, c'est... Tu lui dis d'aller s'enculer. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Tu as un appartement, tu as une meuf, tu as des factures à payer, tu as... T'habites à Paris, tu travailles à Paris, t'habites en région parisienne,
t'as une heure et demie de trajet le matin, une heure et demie de trajet le soir, tu fais 10 heures au boulot, tu te bourres de buronzan pendant un an, tu te bourres c'est de ça, café, la vie de, rêve. De clope. C'est ça le boulot de rêve, c'est-à-dire que à la fin du mois, tu touches les 3000 euros, quoi. Voilà. Ouais, mais résultat des courses, tu prends de la drogue, mais t'arrives plus à tenir, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça sert à quoi? Bah oui, résultat des courses, je me bousillais la santé, quoi. Et je tombais fréquemment en dépression à la fin du boulot, quoi. Mais bon, la plupart du temps, on me disait, Julien, si tu continues comme ça, on va te virer. Bah, moi, je répondais, bah, très bien, je vais continuer comme ça, alors. Et puis là, bah, on s'arrangeait, et puis ils me licenciaient pour n'importe quel motif. Motif grave, généralement. Donc, j'avais le droit de toucher mes assédics, ça me laissait le temps de me retourner et de retrouver un boulot, quoi. Mais j'ai eu des patronnes, un couple de patronnes lesbiennes, en l'occurrence, qui m'ont dit, on te licenciera pas, quoi. Soit tu démissionnes, soit... Et là, après, alors que je m'étais donné à fond, hein ? C'est parce que vous êtes lesbienne. Tu justifies ça par côté lesbien, c'est bizarre. Non, mais parce que c'était annoté. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il y avait un homme et une femme dans le couple, il y avait une qui dominait l'autre et qui pourrissait la vie des commerciaux. On était trois commerciaux, elle avait ses préférences, alors au début j'étais le préféré, après je suis passé le pestiféré, et quand je suis devenu le pestiféré, ça a été l'horreur, quoi. Bien vite. Alors tu vas la couper. Ajoute Maurice.usa sur Skype. Et tu vas pouvoir me parler. J'aime bien cette émission parce que c'est une émission dans laquelle il faut rester concentré. Hein. Les mecs ils peuvent dire tout et absolument n'importe quoi. Ouais, faut rester bien focus. Quoi. Message de Marc, 35 ans à Tarbes. Ah, bonsoir Maurice, petit message pour signaler ma présence et surtout te remercier d'avoir sélectionné mon jingle que tu diffuses en entrée d'émission. Quel plaisir de pouvoir participer activement à cette putain d'émission. Je viens de finaliser le montage du second que je te transmets via l'adresse machin. Que tu apprécies ou pas, bonne soirée Gaz. Mais tu vois, on s'amuse bien. On a hésité, hein, mais on s'est dit que c'était sympa aussi d'utiliser les envois. Merci. Il n'y a que, je crois, Kader de Troyes que tu as maltraité dans le dans ton jingle qui est pas très content. On a hésité aussi, puis on s'est dit, bon, Kader, il a de l'humour, tout ça. Bon, il est là, on va pouvoir en parler avec lui. S'engueuler, peut-être se jeter par terre, se déchirer nos chemises. Message d'Anthony, 32 ans de Paris. Bonsoir, Julien, comme par hasard, 801 grammes. Vous n'avez jamais remarqué que quand la balance met du temps pour afficher le poids exact de la viande ou les légumes, car en fait, c'est parce que le boucher a une pédale avec son pied, il ajuste le poids. Les commerçants sont des voleurs. Je n'ai pas pensé à ça. Pas mal. Oh, voilà. Kader à 43 ans, ne parlez pas quand c'est pas votre tour, merci. Kader à 43 ans, 45 ans, pardon, il est à 3. Kader à 3, vous me recevez, ding ding. Je suis là. Bon, Michael, 37 à Paris. Oui. Il est aussi pénible avec ça. Fabrice, 47 à Vincennes. À Bonne, présent. Julien, 44 à Mont-de-Marsan. Présent. Lucas, 25 à Saint-Chamond. Je suis là. Allez, Lucas, Saint-Chamond, c'est à toi et ensuite on ira à 3. Écoutez, Maître Kader. Apprendre en Chine, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, si par exemple, ton émission, si je dis un truc qui est pas recommandé là, où il y a un procès, c'est pas toi qui vas payer, c'est moi qui paye. Alors nous allons. Si je suis responsable de mes actes. Quand non, même. Non, nous allons avoir des ennuis et nous allons nous retourner contre toi. Ouais, il est pris au milieu. Eh,
Et quand ah bon mais nous allons avoir des ennuis, c'est parce que c'est nous. Un mec qui parle dans la rue. Bah ouais, mais... pas responsable. Voilà, mais sauf que là t'es pas mais dans c'est la rue. Qui stream, t'es bête ou quoi? Là t'es pas dans la rue, tu es. C'est la radio qui te donne la possibilité d'être entendu. Donc nous nous retournerons contre toi et on l'a déjà fait. Hein, je le dis, on a quand même des belles histoires avec des gens. On l'a déjà fait. On l'a fait très sauvagement. C'est, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple, je donne un exemple. Non, mais c'est-à-dire, je dis une blague attention un peu... Attention à ton exemple. Non, je dis une blague extrêmement malvenue, allez, un truc raciste et tout. Et là, il y a une communauté qui arrive et qui dit, bon, maintenant, on va porter plainte contre Maurice Radio Libre. Voilà. C'est Maurice Radio Libre qui va bah, tu donnes mon numéro de téléphone. Ah, mais de toute façon. Oui, mais bien sûr, mais on ne peut pas se défausser de notre responsabilité, comme dit le droit. Ouais, c'est ça. Donc voilà, puisque c'est nous qui t'avons permis de faire. Et à ce moment-là, bien entendu, t'inquiète pas, nous, on va tout arracher. Toutes tes économies, peut-être une partie de celles de tes parents, et tu vas finir sous la tente. ou alors, c'est moi qui suis insolvable. Ouais, mais même... là, admettons, je suis insolvable. Et là, c'est la. Alors, si tu es. C'est-à-dire, on peut pas tirer sur un puits où il n'y a pas de source d'eau. Quoi. Non, ne t'inquiète pas. Nous pourrons démontrer que tu n'es pas insolvable. Parce que moi, si je veux avoir un mec à Saint-Chamond qui vient faire des photos pour montrer que tu n'es pas insolvable et où habitent tes parents et quand est-ce que tu les vois. Ce mec-là, je l'ai demain. N'oublie pas, hein. Parce que. Il y a des gens. À la limite, tu demandes à mon père qui paye. Moi, je monte pas. Je fais payer mes parents. Non, je déconne. On fera payer ton père, tes cousins, tout le monde va mais payer. Mais juridiquement. Mais toi, t'iras. Je te dis, tu iras travailler à pied. Ouais, puisque tu fais passer des motos devant chez Arnaud et une Clio blanche et tout. Donc imagine à Saint-Chamond combien de photos on peut faire, combien d'enregistrements, de vidéos et tout ça. Hein. Et ça t'est déjà arrivé ça en vrai? Un mec porté plainte, mais c'est un bordel ça. Du coup, t'as combien de fauches pas une grosse troupe d'avocats pour gérer des trucs comme ça? Voilà, et ensuite il faut les payer. Et quand il faut les payer, voilà. Après on se fait rembourser, nous. Hein. Ouais, on est trop petit. Je pensais pas que ça marchait comme ça, quand même. Ouais. C'est bizarre comment ça fonctionne. Parce que tu streams un truc, mais tu peux pas contrôler ce que vont dire les gens. Il y a une loi, Lucas, c'est pas la loi de la radio, c'est la loi de l'État. T'as pas le droit de dire des trucs racistes. Bah, comme à un moment, rechercher aussi la responsabilité des transporteurs de SFR, d'Orange, etc. Maurice, il est modérateur, vous voyez bien, il a le bouton machin et tout, donc forcément, on va le mettre au milieu, on va lui demander des comptes, vous êtes bête ou quoi? Ouais, mais genre, tu dis un truc vraiment en échappé, tu vois, tu fais une petite échappée comme ça, là. Mais comment veux-tu qu'il gère? C'est impossible. Là, il faudrait qu'il me coupe à la seconde, à la minute, tu vois. C'est la raison. C'est le rappel à l'ordre, quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles très peu de gens font du direct chez nous en France à la télé, à la radio, etc. Parce que justement ça intéressant, par contre, ouais. Ça permet de il y avait droit de réponse quand même avec Polak, mais bon ça permet d'être un peu moins vigilant. Du coup, t'as déjà été emmerdé par des associations, c'est qui t'a fait un procès? Il y a des gens qui t'ont fait un procès? Bon. Non, c'est pas vrai. On ne rentrera pas dans le détail, si tu veux bien. Ah. Mais enfin, toujours est-il que voilà, il faut contrôler ce que vous dites. Parce que, effectivement, nous, on prend un risque, mais c'est notre travail. Mais toi aussi, tu prends un risque. Voilà. Bien sûr. Ah, mais moi, ma vie est un risque, je n'ai pas peur. Ouais, mais. Ouais, tu n'as non, pas. Attendez. Tu n'as pas peur parce qu'il ne t'est encore rien arrivé. C'est peut-être. Ouais, mais je fais un peu d'ataraxie, moi, tu vois. Je n'ai absolument pas conscience de ce qui va se passer par la suite. Oui, mais parce que parce qu'il ne t'est encore rien arrivé. Mais tu sais, c'est comme les petits-enfants, hein. Ils n'ont pas peur de prendre la casserole sur le feu parce qu'ils ne se sont jamais brûlés les mains. Mais une fois qu'ils se sont brûlés les mains, après, ils ne la reprennent plus, la casserole. Hein. Rappelle-toi ça, Lucas. Tu prendras du plaisir. Je n'en suis pas certain que tu en prennes du plaisir. Bon, remarque, t'as qu'à commencer dès demain matin, t'as qu'à aller travailler à pied. Tu nous diras si tu as pris du plaisir, surtout en revenant du boulot.
Hein. Lucas me rappelle un peu les mecs au fond de la classe qui aimaient bien chauffer les profs, tu sais. Bah, c'est... Mais j'ai même pas été à l'école, moi, c'est même pas la peine. T'as été à l'école, quand même, faut pas déconner. Non, je suis pas allé, moi j'étais absent. C'était marqué absent sur mon carnet. J'étais pas là. C'est pas possible que tu m'aies vu dans ta classe. J'ai pas de camarade de classe, là. Excuse-moi, est-ce que tu serais pas gitan? Non, je suis pas gitan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'es pas allé à l'école? Tu joues au baby-foot? Non, mais parce que moi, je faisais ce que je veux quand j'étais petit. Bah, jusqu'à 16 ans... Mais mes parents, j'allais pas à l'école, ils m'engueulaient pas. Ils disaient, c'est marqué absent, machin et tout. Ils sont jamais coupés. Alors, si je comprends, tes parents te laissaient t'empiffrer de n'importe quoi et ne pas aller en cours. Ouais, voilà. C'est-à-dire, j'allais pas à l'école pendant. Genre, sur un cours d'une journée, il y avait 2 heures de cours au collège. J'allais 2 heures dans la journée, le reste du temps, j'étais dehors. Je faisais ce que je voulais. Donc moi, il y a des carnets de... J'avais même pas de notes, genre en maths. J'ai eu pendant un mois, je suis pas allé. Enfin, en tout cas, t'as pas loupé les cours de français parce que tu t'exprimes très bien. Ouais. Donc ceux-là, tu les as pas loupés. Hein. On en connaît d'autres. Ah, mais tu m'as pas fait ils sont vraiment dire. Pas allés... Ah ouais, non. Bah, après, l'écriture, c'est autre chose. Mais tu t'exprimes correctement. T'as plus de 400 mots de vocabulaire... À ton actif, quoi. Il y en a qui en ont moins de 200. Quand tu parles avec eux, ça s'entend, quoi. Ouais. Donc, il y a au moins des cours où t'es allé, quoi. Ferme ta gueule, bâtard. Oh là là. Bon, allez. Il essaie de me faire passer pour moi, là. Hein. Bon, allez, arrêtez. Vas-y, Lucas, là. On aimerait bien t'entendre. Allez-y, c'est à toi de parler. Ouais, donc... Non, mais je veux dire... Au niveau de la... Je trouve qu'en France, il y a un petit problème au niveau de la responsabilité personnelle. Je veux dire, quand tu fais un truc, toi, par exemple, la sécurité, si tu te fais un employé, il se fait mal, il peut attaquer son patron parce qu'il lui a pas donné les bonnes conditions de travail, parce que c'était pas marqué dans son contrat, même si ce qu'il a, quand il s'est mis en avant, il a fait des choix stupides ou il a fait des trucs qui étaient dangereux. En France, il y a toujours un peu la responsabilité de quelqu'un au-dessus, alors que ta sécurité, tu t'en es responsable déjà tout seul. Tu mets pas ta ceinture, c'est ta responsabilité, tu vois. C'est pas la responsabilité du fabricant de Toyota si t'as pas mis ta ceinture. Ah, les grands patrons vont t'adorer, toi. Non, mais si Toyota a mis la ceinture dans la bagnole, si Toyota a pas mis la ceinture, oui, à un moment, tu vas te retourner vers eux. Mais si eux ont fait ce que la législation a dit, que tu n'as pas mis la ceinture... Effectivement, non seulement c'est ta responsabilité, mais c'est ta santé aussi. Parce que on est facilement éjecté hein, des bagnoles. Hein. Ouais, très facilement. D'accord. Mais la loi, après, c'est quoi? C'est de faire un petit clignotant qui t'indique que t'as pas mis ta ceinture. Après, un petit son, t'as le petit ting, ting, ting. S'il n'y a pas le ting, ting dans les voitures, elles sont plus. Alors que le mec, il met pas sa ceinture, il sait ce qu'il fait. Il se rend compte quand même qu'il n'y a pas une ceinture. Donc, il n'y a pas un peu de l'excès, un peu quand même. On est obligé de border. J'ai répondu à quelqu'un sur l'internet là qui parlait du crétin. Alors, je vais ouvrir un peu le sujet. Qui parlait du crétin qui a amené un rameur au sommet du Mont Blanc là et qui l'a laissé là-haut. Je sais pas si vous avez vu cette information. C'est un mec, c'est un militaire anglais. Je crois ils sont montés à plusieurs. Là-haut, il est monté avec une association, je sais pas quel truc, et il est monté avec un rameur, c'est un truc pour faire du sport, là. 26 kilos, le bazar. Ils l'ont amené là-haut, et puis, quand il a fallu redescendre, il était fatigué, le temps était mauvais, donc il a laissé le rameur là-haut. Qu'est-ce que ça crée, ce genre de truc? Ben, ça fait que, petit à petit, on va interdire aux gens, on va contrôler de plus en plus, et je crois que ça a déjà commencé, contrôler de plus en plus les gens qui vont monter sur le Mont Blanc. Et puis bientôt, il faudra avoir un permis pour grimper. Et il n'y a qu'une petite, une infime partie de professionnels qui auront la possibilité de monter sur le Mont Blanc. Et tous les autres gens ne pourront pas monter. À cause de qui? Comme l'Everest. Comme l'Everest. À cause d'un imbécile. À cause d'un imbécile qui fait des choses qui sont complètement délirantes, complètement cons. Ça présente aucun intérêt. Ça n'a pas de rapport direct avec la montagne. Et donc ce sont des gens comme ça qui font qu'on légifère, qu'on interdit, etc. Donc voilà, j'ai ouvert un peu ce que tu disais
Lucas. Donc, ouais, le mec, il fait une erreur. Mais après, il y a des gens qui vont se poser en disant oui, mais bon, il pensait pas, il n'est pas bien malin, etc. C'est pas interdit de pas être malin, tu vois. De se dire, c'est à la société de s'organiser pour ceux qui sont pas malins. Oh, mais non, arrête avec ça. Non, justement pas. Justement pas. Il faut aussi que toi, tu te débrouilles pour être. Autrement, il faut qu'on te. Si tu n'es pas capable de te mouvoir dans la société tout seul, il faut qu'on t'empêche d'y aller tout seul. Il faut que tu sois accompagné comme un enfant, en fait. Les enfants, on dit. Tu flots tout le long du trottoir parce que t'es amené à marcher sur la route sans arrêt et pas rester sur le trottoir. Je sais pas, moi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est l'inverse. Je dis, c'est un peu exagéré de penser la société les gens qui sont bêtes. Parce qu'après, le problème, c'est que les gens bêtes, les inconscients, les gens inconscients, tu pourras faire ce que tu veux, il y aura toujours du danger de partout. Tu peux pas annuler le danger. Bah, moi, c'est comme la Tour Eiffel, il y a eu de plus en plus de protection. Pour ceux qui l'ont connu depuis plusieurs décennies, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de protection sur la Tour Eiffel parce que les gens faisaient n'importe quoi. Les gens se sont suicidés de la Tour Eiffel. Bah, je sais pas si c'est que des suicides aussi de la bêtise. Il y en a aussi qui aiment escalader, faire n'importe quoi. Et moi, je pense que si on veut un peu moins légiférer, il faut aussi faut raison garder. Il faut que de temps en temps, il y ait, dans le groupe, hein, quelqu'un un peu moins con qui dit non, tu peux pas monter ce truc-là là-haut. C'est complètement nul. Ça n'a rien à voir avec la montagne. On est. Bah, tu vois, quel rapport, quoi. Laisse le machin dans le camion, on fait la badrouille, puis après, t'iras, à l'hôtel avec ton rameur, si tu veux. Mais dans 1000 ans, Maurice, la législation, ça va être des pièces et des pièces et des pièces remplies de documents, quoi. Horrible. Horrible, et particulièrement chez nous. Ah ouais, mais ça, pour un mec qui aime la moto, qui aime bouger un peu, c'est pénible les lois en France, parce qu'il y en a trop. Bah, c'est la différence. C'est l'une des différences fondamentales avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a vachement moins de règlements. Il y a plus de bon sens, plus de choses. On te fout la paix, on te laisse tranquille. Si tu as envie de mettre un pot d'échappement sur ton bazar, tu le mets. Mais tu essaies de pas passer au milieu des habitations à 2h du matin, quoi. Si tu dois pas ça, les avocats se régalent parce que là-bas, on t'attaque pour tout et n'importe quoi. C'est un peu parallèle, paradoxal. Ouais, enfin, on t'attaque pour tout. Tu peux très bien ne pas être attaqué pour rien du tout. Personne, tous les gens ne sont pas passés au tribunal aux États-Unis. Il y a des situations, des gens qui font ça, mais c'est une société dans laquelle on se sent, moi en tout cas, beaucoup plus libre. Rappelle-toi la blague qui a fait marche arrière sur toi. Ouais, oui, mais ça n'a rien à voir. Tu te sens, c'est une société dans laquelle tu te sens quand même beaucoup plus libre, beaucoup moins enfermé, etc. Faut que tu regardes la législation, que tu saches, mais la législation elle n'est pas sclérosante, elle n'est pas, pas tout le temps en train de demander si tu as enfreint une loi. Alors à ce moment-là, les individus, j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu à faire des histoires quand même. Non, c'est parce que c'est ce qui nous reste, ce dont on parle le plus souvent, nous. Quand on parle de la Suisse, on parle de la propreté. Mais bon, les Suisses, ils sont pas obsédés par la propreté. Tu vois, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Formidable, hein. David, je t'avais dit, l'un de nos plus grands plaisirs, c'est de te proposer une programmation musicale léchée. On y passe beaucoup de temps... On essaie de te proposer des choses anciennes, moyennement anciennes, récentes, connues parfois, inconnues totalement. On se fatigue, hein, vraiment. Parce qu'on se dit qu'à cette heure-ci, pour toi, il faut qu'il y ait une ambiance particulière. Donc que tu croises ton voisin de palier, mais qui, pour une fois, dit ce qu'il a sur le cœur. Hein. C'est pour ça qu'on discute, qu'on échange, qu'on se raconte des bazars. Et dans le même temps que la musique soit... je pense que c'est l'un des plus beaux programmes, si ce n'est le plus beau programme de radio du moment. Voilà, c'est... je sais, ça va t'énerver, mais bon. Ouais. Les Français, ils n'aiment pas qu'on dise ça. ça les énerve.
Ouais, pour qui se prend, tu vois. Vaut mieux être modeste. Bon, c'est pas ma musique, hein. Et ouais. C'est vraiment... vraiment bien. Et je suis content et j'espère donc que qu'on a raison de se fatiguer, que tu aimes la musique que tu entends dans ce programme. À bord, nous avons Kader. Il a 45 ans, il est à 3. Ouais, je suis là. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Bon, Fabrice a 47 ans, il est à Vincennes. Bon, présent. Julien, 44 ans, à Mont-de-Marsan. Présent. Lucas, 25 ans, à Saint-Chamond. Oui. Allez, on va à 3, écouter Kader de 3. Ouais, donc, fais une petite aparté pour Fabrice, donc j'ai... Vostok, c'est quand même une marque assez ancienne, donc que j'ai été à garder, ça a l'air pas mal. La deuxième chose, c'est... je voulais dire, oui, voilà, non, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Mickaël, par rapport aux citoyens américains qui attaquent pour rien. Je pense qu'il y a les gens, s'ils saisissent un tribunal, c'est qu'il y a une raison, normalement. Ça, c'est... Oui, France, oui, bah... C'est vrai qu'en France... Tu peux arrêter le bricolage, Julien, ou pas? Pardon? C'est chez toi que ça tape, là, on entend paf comme non, ça. Non, c'est moi, excusez-moi, non, excusez-moi. C'est qui? Ah non, c'est Mickaël, pardon, je croyais que c'était chez Julien. C'est peut-être pour ça aussi qu'aux États-Unis, quand quelqu'un se fait taper dessus par la loi, il paye cher, il peut payer cher, et donc ça permet aussi de pouvoir être bien là où on habite. Enfin, celui de temps passant, hein, c'est pas le cas partout, mais je pense que ça joue beaucoup le système judiciaire. Toi, ça te rassurerait, toi, d'être dans un... Enfin, je pense que quelqu'un qui fait une connerie puis qui s'en sort avec un rappel à loi alors que c'est un mec qui l'a fait vraiment consciemment pour faire quelque chose, je pense que le fait qu'il soit amené à payer vraiment et de faire une peine de prison, ça permet aussi aux autres de pouvoir se dire bah peut-être que ça va empêcher les autres de faire la même connerie. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant... je voulais revenir à une discussion qu'on a eue hier à Maurice au sujet des réseaux, enfin de la politique de confidentialité Google et donc sur les différents supports type Skype, WhatsApp et puis il y a tant d'autres. Et tu m'avais dit que ce qui te dérange le plus, c'est la campagne publicitaire, le fait qu'il y ait des campagnes publicitaires qui sont éreintantes pour toi. Et tu m'as dit que c'était pas tant le politique, mais plus les grands commerçants. Alors moi, je me pose une question à travers ça, parce que moi, je suis pas tout à fait sur le même avis que toi, parce que je pense que les grands commerçants sont soumis normalement à la même loi que à la loi des politiques, il me semble. Voilà. Puisque les commerçants enfreignent quelque part cette liberté, puisque pour toi, c'est un peu enfreindre ta liberté, quelque part, te sentir mis sous pression, d'avoir en permanence des publicités qui arrivent, c'est quelque part pénétrer ton espace, donc pénétrer ta liberté de pouvoir faire un peu ce que tu veux et de recevoir ce que tu veux. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, aujourd'hui, on te bombarde. Donc, pour moi, c'est un problème politique. Et au-delà des commerçants, je me dis qu'au niveau politique, ça pose quand même des questions d'ordre sur un fondement philosophique et puis qui régit notre société actuellement, là, à la France, c'est-à-dire la liberté. Est-ce que cette notion de liberté n'est pas amenée à disparaître avec des politiques de confidentialité de grands groupes technologiques qui en fait te disent bah finalement tu n'auras plus de liberté avec nous. Avec nous, il n'y a pas de liberté. Tu vas nous donner ce qu'on veut et on va le prendre. C'est ça qui me dérange. Donc pour moi, c'est vraiment politique, c'est pas que commercial. Ouais, je suis pas de raison. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, moi, en tout cas. Bon, Fabrice a manifestement bien compris, moi j'ai pas bien compris. Non, mais... Maurice, toi hier, tu parlais plus du côté commercial de cette confidentialité qui t'était, qui est donc. Moi, c'est pas la confidentialité. Mon problème, je dis, c'est le harcèlement publicitaire, qui est pour moi. C'est bien ce que j'ai dit. Qui est pour moi sur Internet, c'est ce que je trouve le plus insupportable, d'être pourchassé par des publicités, par des produits qui m'intéressent pas, tu vois, parce que c'est même pas vu. Le degré technique, en fait, qu'ont tous ces commerçants. Moi, j'aurais adoré, je sais pas, qu'on me propose des choses qui m'intéressent, tu vois, qui sont dans mes domaines, des trucs qui... Ouais, des choses qui me plaisent, quoi. Des beaux boulons inox, des chemises, des... Tu vois, des trucs.
Le problème, c'est que je suis poursuivi par, je sais pas quoi, des pubs de bagnoles qui m'intéressent pas, qui sont vilaines comme tout. Ça, j'en ferais presque des cauchemars d'imaginer que j'ai ça. Je préférerais rouler en Twingo, bon, le premier modèle, hein, que je trouve très sympa. Ouais. Que, enfin, tu vois, moi, c'est ça qui me... Quand tu essaies de regarder une vidéo, par exemple, tu regardes un truc qui commence à t'intéresser, et puis c'est coupé par une pub qui tu vois, qui est pas du tout dans ton univers, etc. C'est ça que je trouve insupportable. Et que j'ai du mal à comprendre parce que aujourd'hui, on nous épie tellement, les commerçants nous épient tellement, qui savent ce qu'on consomme. Donc le mec, il me pourchasse pour me proposer du café à la livraison, qui me propose des choses, tu vois, qui sont accessibles à l'endroit où je me trouve, puisque je circule quand même pas mal sur la planète, ça serait vachement bien. Mais c'est pas le cas, on me propose des trucs qui sont complètement cons, qui me font chier... Et on m'empêche de consommer ce que j'ai envie de consommer pour ça. Donc voilà ce que je voulais dire, moi, pardon. Maurice. Ouais, allez-y. Moi, ce que je vois, c'est par exemple pour Skype, par exemple, ou bien WhatsApp, pour prendre des messageries, enfin des moyens de communication. Par exemple, si tu acceptes, enfin, c'est comme ça que ça se passe, hein, l'appli le store, il te dit, ouais, accepter. À partir du moment où tu décides, à travers ton appareil, d'utiliser les paramètres et de retirer, par exemple, l'autorisation de la caméra ou ou de l'enregistreur, ou de l'appareil photo, ben, qu'est-ce qui se passe? Et c'est encore plus valable sur les Huawei. Donc, la guerre commerciale, entre parenthèses, elle est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu restreins les autorisations d'utilisation du microphone, de la caméra, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, WhatsApp ou Skype ne fonctionnent plus. Ouais, parce que tu as besoin, t'as besoin du micro pour parler. Donc... Non, mais à la limite, le micro, d'accord, mais si tu ne donnes pas c'est la fou, ça. Pour la télé, pour les photos, pour la caméra, parce que tu es obligé d'avoir la caméra, et tant d'autres autorisations, non, mais... si tu déclines toutes ces autorisations. D'accord, mais là, on est. D'accord, mais on est dans. Ça me dérange. Oui, d'accord, Kader, mais là, on est dans la fonction technique de l'appareil. WhatsApp, c'est un truc pour écrire. Parler et se montrer, discuter avec tes amis, etc. Donc moi là, ça, en tout cas à ce moment-là, moi ça me gêne pas que ces gens-là me demandent d'avoir accès à ma caméra. Moi, ce qui m'emmerde. Et à tes photos, et tes mails, et à ta boîte de messagerie et tout ça, ça te dérange pas, toi? Ma boîte de messagerie WhatsApp. Bon, de toute façon, je pense que. Non, mais ton adresse email, elle est reliée à une adresse email, qui donc une boîte email. Est-ce que ça te dérange pas, toi, qu'on vienne fouiller dedans? Non. Non, je te dis, moi, ce qui m'emmerde, parce que ce que je dis, je suis comme tout le monde, ce que je dis à mes amis, et dans mes trucs, c'est, tu vois, il n'y a rien d'incroyable. Il y a quelqu'un qui a mis son clignotant, non? Qui entend big, tout à l'heure, c'est insupportable. Ce qui me gêne, parce que bon, voilà, quoi, j'envoie des messages en disant je serai à Paris tel jour à telle heure, est-ce que toi tu seras là, on se retrouve à tel resto, on va aller bouffer. Mais tu vois, ça, je m'en fous que les mecs de Google, là, je sais pas où, sur la côte de San Francisco, lisent mon mail. C'est pas ça qui m'emmerde. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que quand je suis en train de chercher un restaurant, je me dis tiens, j'aimerais bien essayer les nouvelles adresses à Paris, que ça prenne plus de temps. Parce que je suis obligé de me cogner des pubs de bagnoles dont j'ai rien à branler, quoi. Tu vois? C'était des voitures qui me plaisent encore. C'est du push. Attends, Fabrice. Maurice, toi, ton émission, t'es propriétaire de... Enfin, pour dire les choses comme ça, je vais synthétiser. Hein. T'es propriétaire, t'es responsable et propriétaire de tout ce qui se dit à l'intérieur de cet espace-là. Actuellement, là, ce qui se passe entre nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Ben, à partir du moment où Skype a donc accès à nos conversations immédiates et qui peut les retranscrire, on est d'accord que toi, en fait, tu n'es pas le seul propriétaire. Skype en devient et en devient le propriétaire. Aussi. Non, parce que non, il est pas, ils sont pas propriétaires, c'est un transporteur. Je mets un objet, tu fabriques des tondeuses, j'en achète une, on la donne à Fabrice qui est transporteur. Il met la tondeuse dans son truc, il a une responsabilité, la responsabilité du transport du truc. Mais si jamais la tondeuse n'est pas conforme au marché, par exemple, on ne peut pas dire à mettre une contravention à Fabrice. Lui, il dit, bah, écoutez, moi, je sais pas à quoi ça sert. Mais ton exemple, il est concret. La route, si elle appartient à Skype,
le camion qui roule dessus, c'est un camion qui roule sur Skype. Donc Skype est quand même propriétaire de ce qui se passe actuellement. Ben non, parce que l'allure, la façon de rouler, même si... Mais c'est où ce bordel? Ah, c'est chez Mickaël, lui, il habite... Pas rien. Léo lui hurle le vent. Hein. Toi, t'habites vraiment dans un endroit pourri, ça doit être très difficile de vivre chez toi. T'arrives à dormir un peu, Mickaël, ou pas? Mais non, mais c'est chez toi qu'on entend tous ces gens qui crient, c'est infernal. Léo, les gourdes qui font la fête, Maurice, il est jaloux, ça y est. Non, on va faire un kiss-kiss bang-bang pour toi, on va essayer de te trouver un appart dans un endroit où le soir, t'arrives à dormir, quoi. Parce que là, t'es réveillé, t'es avec nous, mais bon, si t'as cantine demain matin, c'est difficile, hein. Bon. Enfin bon. Donc voilà, l'allure à laquelle va rouler, c'est le principe en fait de l'autoroute. L'autoroute de Coffee Route, là, de machin chose, là, de Vinci. Hop, tu payes ton machin, tu es dessus, mais par contre, la vitesse à laquelle tu roules, bah, c'est toi qui es responsable. Tu peux pas dire non, mais c'est à cause des mecs de l'autoroute que je roule à 200. Ah, d'accord, j'ai bien compris ça, Maurice. Mais moi, on me demande pas de payer. Si on me demande de payer, ça veut dire qu'il y a un contrat tacite. Or, le contrat qu'on me propose, c'est d'accepter tout ce qu'on va me prendre chez moi en compensation de pouvoir communiquer. Est-ce que tu penses que c'est un deal... Je sais pas comment dire ça. Est-ce que tu penses que c'est honnête comme transaction? Ouais, moi, je m'en fous. S'ils me permettent de parler avec tout le monde et que ça me coûte zéro... Et que l'échange, je sais pas quoi, qu'ils veulent regarder ce qu'il y a dans mes mails, bah, qu'ils regardent. Il y a des photos de gonzesses. mais voilà quoi, bon. Mais ils écoutent pas tout et ils lisent pas tout, Kader. Ils ont des algorithmes qui repèrent certains mots et qui déclenchent des robots quoi. Voilà. Toutes les conversations qui sont dites sont retranscrites. Mais non, pas du tout. Mais t'imagines comment stocker des milliards de gigabits, ça coûterait une fortune. Non mais regarde, c'est un des sujets cruciaux actuellement qui est entre la Chine et les États-Unis actuellement. Puisque Google en est arrivé aujourd'hui à dire on va refuser de leur donner Google. Parce que justement, les Chinois essayent de contrer tout ça. Donc avant de parler, de jeter le poids, de dire non, c'est pas possible, regardez votre politique de confidentialité, elle est lisible sur Internet. Et vous verrez. Non, je vais pas lire ça. Oui, mais on sait que tu donnes tes mails, etc. Ne dis pas, Lucas, on sait, c'est pas vrai, ne dis pas on, tu n'es pas on. Tu dis je sais. Alors à ce moment-là, tu me dis, pourquoi à ce moment-là, quand tu te dis ça, t'as l'air d'être surpris? Mais non, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils lisent pas les milliards de mails qui passent par... Mais non, c'est pas vrai. Admettons que je suis sur Skype et qu'ils retranscrivent tout. Et que j'avoue un crime ou un meurtre ou une connerie ou un truc, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information, les mecs? Si vraiment ils la retranscrivent, ils auraient des millions d'informations douteuses. Des milliards. Comme ça. Des milliards. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites? Vous croyez quoi? Vous vivez dans un rêve ou quoi, hein? Mais vous pensez non, mais quoi? C'est toi qui vis dans une paranoïa. Non, c'est pas une parano. C'est pas une parano. C'est pas du tout une parano. C'est pas du tout une parano. C'est un désordre. Kader, tu es en train de parler de la NSA là. Non, je parle pas de... Je cite rien du tout. Moi, je dis juste, aujourd'hui, tu as des grands groupes qui tiennent une base de données gigantesque, phénoménale, et vous êtes en train de croire que vous vivez, que vous parlez comme si vous parliez à votre voisin sur le palier. Mais moi, je comprends pas... Attendez, parce que moi, je ne sais plus de quoi on parle. D'accord, Fabrice. Je ne sais pas de quoi on parle, Kader. Je comprends pas de quoi on parle, en fait. Non, je parle de la confidentialité et plus largement de liberté d'expression. Bah quoi, nous on se dit ce qu'on veut là, sur Skype, là, on dit ce qu'on a envie de dire. Mais moi quand j'estime liberté, ça veut dire que je peux dire des choses sans être automatiquement être surveillé.
ou avoir un rapport fait écrit de d'une retranscription de mes propos avec toi ou avec Lucas ou avec. Va sur le dark web alors, va sur le dark web. Tu veux pas être. Non, mais c'est tracé, gros, quoi. Mais... ce que j'essaie de dire, c'est que effectivement la politique de confidentialité, elle est annulée à partir du moment où ils peuvent voir tes recherches internet et tes mails. Mais là, ce qu'il disait textuellement, c'est que les conversations Skype étaient retranscrites. Pas du tout. Mais même tes photos que tu prends, elles leur appartiennent. Et alors, tu utilises des appareils de sociétés privées, Kader, qu'est-ce que tu crois que c'est des sociétés publiques? Bon, en même temps, moi très honnêtement, Kader, moi, j'ai pas de... Enfin, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je m'en fous, quoi. Je pense que tout ça va servir à l'intelligence artificielle, en fait. C'est une base de données qu'ils sont en train de créer pour l'intelligence artificielle et qui piochera dans des... Qui malheureusement... Tu fermes la porte de chez toi le soir quand tu vas te coucher ou quand tu rentres? Bien sûr, elle est fermée à clé, là. Alors pourquoi dans ton téléphone ou ton ordinateur, on peut avoir accès sans ouvrir la porte, sans fermer la porte? C'est parce comme si que, parce qu'il n'est pas en danger, il s'il ferme mais sa parce porte. Parce que j'ai pas envie qu'on me vole mes biens matériels, mes biens intellectuels, que j'ai rien à cacher, quoi. Et demain, tout est dématérialisé, Julien. Rien n'est dématérialisé pour l'instant, j'ai mon iPad, écoute, mon en iPhone, 2022, j'ai ma télé. En 2022, t'es bien placé pour le savoir, t'es pour l'emploi. Aujourd'hui, tous les échanges se font par le numérique. Donc, en 2022, c'est Macron qui l'a dit, toute l'administration sera numérisée. Tous les grands services, toutes les banques maintenant vont être numérisées. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, si je passe par Google pour aller sur ma banque, bah Google sait que je vais à ma banque. Et ça, j'ai peut-être pas envie qu'elle le sache. J'ai pas envie de tout ça. C'est ça qui me pose question. Ouais. Mais c'est après à terme. Qu'est-ce que t'as à cacher? Ouais, parce que bon, au contraire. Non, mais ça, c'est un argument. Attendez, monsieur Kader. Soit t'as du pognon, soit t'en as pas. Si t'as du pognon, ben voilà, ils voient que t'as du pognon. Si t'as pas de pognon, au contraire, ça va leur permettre de te lâcher la grappe, de dire tiens, celui-là, il a pas de fric, il va rien acheter. On lui fout la paix. On le laisse faire. Tu vois. Donc là, moi, j'ouvre un compte en banque au Burundi tout de suite. Non, mais attends, Maurice. Moi, ce que je retiens, c'est l'expression de Mickaël, t'as rien à cacher. Ça veut dire quoi, t'as rien à cacher? Bah moi, je m'en fous que les gens préposés... J'appuie sur le bouton. Je m'en fous que le préposé de Cupertino ou de je sais pas quoi, de Google, dans le nord de l'Amérique, lise les courriers que j'envoie à mes copains. Je m'en fous, j'ai rien à branler. C'est privé, ça. Non mais j'en ai rien à foutre. Quand je vais dans un restaurant avec mes amis, c'est ma vie privée, mais je suis dans un restaurant avec plein d'autres gens. Il y a plein de gens qui me voient rentrer, quoi, tu vois, bon. Non, là, tu es dans un établissement public, c'est pas pareil. J'ai pas envie de... Je fais rien qui soit complètement secret. Enfin, tu vois, surtout que bon, ils n'en font... Mais secret, quelque chose de négatif. Je veux dire, j'ai le droit d'avoir mon intimité, ma privée, ma vie. Mais ça t'empêche pas. C'est utiliser Google. Oui, tu peux très bien vivre sans utiliser tout ça. Mais Mickaël, je suis pas en train de la chose, je suis pas en train de dire que je suis obligé d'utiliser Google. C'est juste que l'utilisation. Si, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que l'administration sera obligatoire d'ici 2022. Ça inclut pas Google. Et puis, il y a des moteurs de recherche internet. Moi, je suis pas obligé. Par contre, on oblige. Moi, je ne suis pas obligé. Mais par contre, on m'y oblige. Je ne comprends pas ce que tu dis. On n'oblige pas, Kader. Le mec... Des moteurs de recherche alternatifs qui... Ouais. Va immatriculer une voiture aujourd'hui, on en reparlera après. Ben, je sais, il y a un an, j'ai acheté ma Golf et il a fallu que je passe par le site de la NTS, donc du gouvernement, par... j'ai tout fait, ma carte grise, par Internet. Donc, même la photo, je suis allé chez un photographe spécialisé. Ta déclaration d'impôt par Internet, tu fais... Bien sûr, je fais tout par Internet. Voilà, donc, qu'est-ce que j'en ai à branler que Google sache que je déclare 5000 euros par an, quoi. Qu'est-ce que je... Mais c'est pas Google qui le sait, c'est sur des sites sécurisés du gouvernement. Déjà, Google n'a rien à faire là. Mais t'es marrant, Mickaël. Ah oui, c'est sûr, je suis marrant. Quand je te coince, c'est quand je te contredis, je suis marrant, forcément. Non, t'es marrant parce qu'en 2011, la France a été victime d'une attaque. Google, c'est pas les sites du gouvernement, c'est des 80%, sites en HTTPS, 80%, 80%,
80% par 80%. Non mais écoute, si tu veux prendre des informations... Tu veux juste avoir raison et couvrir les autres en fait, c'est pas un dialogue. Non, juste un truc, c'est 80% du parc informatique en 2011 a été piraté. Bon, du on n'est pas mort. Hein. On n'est pas mort. Alors attends, attends. On n'est pas mort. Là, pour poser... pour poser un vrai problème, parce que c'est pas vraiment un problème. Que les gens sachent la marque de riz qu'ils bouffent, tout le monde s'en fout, c'est pas honteux. Mais si demain, on publie la catégorie porno sur laquelle tu te branles, non, là ça va être la publication, mais c'est pas la même chose. Il y a d'autres choses plus... C'est pas la même chose. Attends, on essaie de parler d'une chose après l'autre, parce que autrement, on va pas s'en sortir. La publication de ta vie n'a rien à voir avec le fait que les employés de Google ou les employés de ta banque d'ailleurs ou des banques dans lesquelles tu as mis ton pognon soient au courant du fric que tu as. Tu vois, c'est pas la même chose. Là, on ne parle pas de publication, d'affichage en fait de tes mails, je sais pas, sur la place publique. On se dit simplement qu'il y a un mec qui peut regarder, lire que t'as envoyé un message à une gonzesse en lui disant « Putain, je vais te prendre dans les chiottes, ça va être énorme », et elle te dit « Oh oui, oh oui ». Tu vois, bon, voilà. Ouais, c'est pas très problématique. Moi, je serais au contraire pour la responsabilisation et la fin de l'anonymat, tu vois. Moi, je serais plutôt pour le sens inverse. Voilà, t'es là pour la dictature, quoi. Une grosse la dictature, parce que les gens doivent parler en leur raison, mais c'est bien. Mais j'espère que des gens comme toi... Non mais laisse, Kader, avant de juger, essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Moi, je comprends pas ce qu'il veut dire. Ah non, mais j'ai très bien compris ce qu'il veut dire. Alors d'accord, mais moi non, pardonne-moi, Kader. Moi, j'ai envie de comprendre, je n'ai pas compris ce que voulait dire Michael, donc je préférais qu'il l'explique plutôt que de lui porter un jugement sur lui. Vas-y, Michael, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, non, voilà, moi je suis pour une lutte. Lutte contre l'anonymat et que les gens parlent en leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, contre les pseudos, etc. Pardon, Maurice? Contre les pseudos, etc. Oui, les excès. Les excès qui sont faits, tu vois, dans le... Dans le... Divers et variés. Bon. Dans les commentaires, en général, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Oui, là, d'accord, la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. D'accord. Tu vois, moi, je vois pas Kader, je pense pas qu'il... Bah, moi, je crois qu'on fait beaucoup de mousse avec ça. Je crois pas que, tu vois, que nos conversations personnelles soient si... Enfin, moins de préparer un coup pourri, soient si en danger, quoi. Bah écoute, Maurice, je peux te poser... Alors mettons que tu es un chef d'entreprise, tu utilises Skype, et puis tu veux faire part à différentes personnes avec lesquelles tu veux t'associer, que tu as un projet novateur, et qui est réellement novateur. Bah tu ne le fais pas sur Skype. Ton projet est retranscrit, il est retransmis à une cellule d'information qui va étudier ce truc-là. Mais non mais Kader, c'est ta méconnaissance en fait de tout ça qui te fait dire ces choses-là. Les entreprises qui créent des choses, la recherche et développement, etc., les mecs, ils ne se parlent pas sur Skype. Ils ont effectivement des processus de confidentialité. Les mecs ne se promènent pas avec les dossiers. N'importe qui ne participe pas aux réunions, etc. Enfin, tu vois, on ne parle pas de la même chose. Il y a des choses. Rigole pas, Maurice. Mais, bon, là, Maurice, je viens de te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'ai dit ou si tu as bien retenu ce que j'ai dit. Ton micro de ton téléphone, ta caméra peuvent être activées dans la politique de confidentialité, par exemple. Mais non, par exemple, non, c'est non, non, Kader, non. Écoute-moi, parce que tout ce que tu vas dire, je le sais. Lorsque les mecs qui font des bagnoles chez Renault préparent une nouvelle bagnole, les mecs, ils vont pas en réunion avec leur téléphone portable. Ils font pas des réunions et des discussions sur Skype, etc. C'est dans un endroit clos dans lequel il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de communication extérieure. Les gens laissent leur téléphone à l'extérieur. Ils sont fouillés pour être sûr qu'il y a des trucs. Leurs chaussures, ils font gaffe. Il y a des endroits où les mecs, il y a des tapis pour que qu'il n'y ait rien, pas d'aimant, pas de machin, etc. De manière à ce que les informations restent confidentielles et elles ne sont pas
Elles sont pas débiles. Kader, tu peux utiliser tant. Tu prends le cas de Renault, mais je pourrais être aussi bien un petit artisan qui veut parler avec un autre artisan sur un projet novateur. Pas besoin de parler de Renault. Ben, le mec n'était pas au fait de tout ça. Il y a tant, Kader. Il y a plein de gens qui créent. Il y a plein de gens qui créent des choses. Et il y a effectivement. Permet aux activistes, aux journalistes de communiquer sans passer par les voies. Qui sont couverts par l'anonymat et tout ça. Il y a plein de solutions pour pas être fliqué, quoi. Ouais, c'est les VPN, ouais, c'est un VPN. Ouais, que tu les... VPN, c'est pour se connecter d'un autre pays, pour faire croire qu'avec une adresse IP, en fait, que tu te connectes d'Italie ou d'Espagne ou d'Allemagne. Ce qui est lamentable. C'est lamentable tout ça. Mais ça non, c'est pratique en fait. Quand tu es par exemple à l'étranger, tu te connectes parce que quand tu es à l'étranger, tu peux pas regarder les programmes Canal+, parce qu'il y a des droits d'auteur et tout ça. Donc si tu es abonné à Canal+ et que tu es en voyage à l'étranger, tu utilises un VPN qui fait croire que tu es en France. On connaît les VPN, Julien, ça va. Pas Lucas apparemment. Mais c'est surtout pour pouvoir faire des trucs, ça permet surtout de faire des trucs illégaux, les VPN, insulter des gens, Mais non, t'as des gens qui utilisent ça pour regarder Netflix. Les trucs qui sont illégaux, pas illégales. Oui, en plus. Voilà. Fallait pas sécher, Lucas. Voilà. Hein ? Fallait pas sécher. J'ai dit quoi ? C'est la meilleure de la soirée, c'est là. Je vous ai dit, je suis pas allé à l'école. J'ai mon mot d'excuse ce jour-là. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il veut faire ? Kader, là, t'as vraiment une réflexion un peu rétrograde. Non, c'est pas rétrograde. Le progrès, c'est pas dire. C'est quoi chez toi le progrès ? C'est ramener les gens dans la cage. T'es contre tout. Écoute, il y a un truc que tu comprends pas en fait. Dans ta tête, ça rime, toi, il faut ouvrir. Invite tes voisins, laisse la porte de chez toi ouverte. Écoute, fais ce que tu veux avec ta vie. Moi, par contre, moi, ce que je déplore, Tu vas arrêter ton haut débit de délire là. Moi, je mets des gens dans la cave. Tu étais dans la cave, en fait, dans ta tête. Mais le problème, c'est que tu vois, dans une cave dans ma tête. C'est une nation qui s'appelle la France, et j'estime que par exemple, attends, des sociétés. Tu vas arrêter ton délire et Google, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Je suis dans une cave dans ma tête. Tu es dans une cave dans ta tête, ouais, t'es dans une cave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une cave. Ce que c'est qu'une cave? C'est un endroit obscur, ténébreux, où en général on ne voit que des objets qui n'ont pas grande utilité par moment, tu vois. Peut-être un peu comme ça. Mais ça, c'est soit dit en passant parce que tu aimes bien avoir des jugements. Alors, moi, la modernité. En dehors de cet échange de dispute là qui va pas nous faire avancer, après il y a effectivement des gens qui pensent comme toi, il y en a plein, Kader, hein, de gens qui se disent ouais machin truc, la confidentialité, je veux utiliser les machins de ces gens là gratuitement, mais je veux rien leur donner en échange, je veux profiter. Et puis il y a des gens qui se disent voilà, bon, le deal c'est en échange, ils vont pouvoir montrer qu'on est capable de faire de très belles conversations longue distance avec de la très bonne qualité, etc., pour continuer à faire marcher leur service. Ensuite, si tu veux de la confidentialité dans les échanges téléphoniques, il faut que tu achètes un téléphone crypté, que tu achètes, il y a quelqu'un qui te suggérait sur le chat d'acheter un téléphone satellite crypté. Là, effectivement, personne n'entend ce que tu dis. Bon, il faut qu'il t'arrive rien, par contre, hein. Voilà, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, en fait. Il faut le savoir, quoi. C'est comme ça. Voilà, donc c'est pas... Quand quelque chose est gratuit sur maintenant, aujourd'hui, c'est que le produit, c'est toi. Donc, voilà. Donc, si tu veux pas que le produit, ce soit toi, faut que tu payes. En tout cas, c'est assez drôle de se faire les inventeurs qui ont besoin d'acheter, d'avoir des rapports, etc., sont aussi organisés et ils n'utilisent pas tous ces trucs-là, ils n'utilisent pas Facebook tous les gens qui font des choses qui sont dans la création, etc. Ils n'utilisent pas ni Facebook ni Skype pour pouvoir avoir des conversations techniques. D'ordre technique qui peuvent être écoutés par n'importe qui. Je crois que Maurice, le problème, je crois qu'on ne s'est pas très bien compris, toi et moi. Je pense que le sujet pour moi, c'est
Je t'ai parlé de valeurs de liberté, ça veut donc dire qu'il y a aussi les lois. Est-ce que les lois de l'État aujourd'hui sont pas en train d'être supplantées par les lois des grands, des grandes sociétés comme ça? Ça qui m'interpelle. Maintenant, ça me pose question. Alors évidemment, j'ai le choix aussi de dire c'est terminé, je n'utilise plus. Et j'ai expliqué que aujourd'hui on tend vers une société numérisée, donc je suis quelque part obligé. Si on me propose demain un deal en me disant voilà, tu payes, je sais pas, 10 balles par mois pour utiliser Skype, mais par contre, toutes ces autorisations-là, hop, on le fait plus. Ça, moi, je suis d'accord. Non, mais ça vaut pas 10 euros par mois, c'est ça que tu... Bah, ce que tu demandes... Attends, Kader, il faut qu'on arrive à discuter tous les deux. Donc là, tu dis un truc, je réagis à ce que tu viens de dire. La technologie que tu demandes, celle qui te permet, etc., elle ne vaut pas 10 euros par mois. Elle vaut 50, 60, 80. Même si... Mais qu'on me donne un tarif. Mais ça existe. Voilà, pour avoir une discussion privée. Bah mais ouais, ça existe. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des secteurs sensibles, qui paient des logiciels particuliers pour justement ne pas être espionnés, etc. Ça se paye, mais ça vaut pas 50 euros par mois. Ça vaut 5000 balles ou 80000 balles, parce que la technologie, pour nous, ça nous paraît vachement simple. Skype, là, tac, t'appuies sur le bouton, et puis ça y est, on parle. Mais t'imagines techniquement ce que c'est? C'est un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est un truc complètement fou. C'est un truc complètement fou qui demande à beaucoup de techniciens de travailler tous les jours et d'être payés. Puis c'est pas des techniciens qui sont... Arrête, Michael, de faire du bruit. C'est pas des techniciens qui sont payés au SMIC, ce sont des gens qui sont plutôt des mecs de haut vol et des gonzesses de haut vol. Donc voilà, tout ça, ça se paye, ça coûte très cher. Donc il faut aussi, que toi tu t'adaptes, tu as du gratuit, le mec qui achète quand t'achètes une Volkswagen, ben t'as pas une Bentley, c'est pas pareil. C'est pas le même truc, quoi. Pas le même univers. Ah bon? Ouais. Pourtant, c'est la même maison. Pour terminer là-dessus, Maurice, je voudrais dire... tout à l'heure, t'as dit le jingle. Moi, j'ai passablement apprécié, en fait, le truc du mécréant. Et quant à la réflexion de Michael contre l'obscurantisme, tu me connais pas, donc ne me juge pas. Par contre, moi, je te juge à l'aune de tes propos. Connaît. Et je trouve que ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. Idem. Non, tu me connais pas. C'est assez déplorable. Ça m'étonne pas. Tes propos sont un peu ceux dans l'air du temps, des petits bobos qui passent leur temps à raconter des histoires et s'inventer des vies. Moi, je m'invente rien du tout. Ce que j'ai à dire, je le dis. Par contre, je passe pas la lustreuse, tu vois. C'est bien les bobos. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit dans la fonction publique, on a interdiction d'utiliser Google & Co. pour des raisons de confidentialité. Tu vois, donc. J'imagine qu'ils ont autre chose nous avons nos propres solutions. Ouais, mais c'est pas gratuit. C'est payant. Bon, même... Parce qu'ils savent utiliser Google dans la fonction publique. C'est un mec qui... Donc bon, en même temps, t'en veux pas. Qui est con, celui-là. Qu'est-ce que c'est la fonction publique, Lucas? La fonction publique. La fonction publique. Il y a quoi dedans? Ce sont les bureaucrates dans les bureaux, là, devant leur ordinateur qui tapent là, sur des claviers. Et d'accord, les gens de la fonction publique font des statistiques. En fait, la fonction publique, ce sont tous les gens qui sont au service du public. C'est ça, en fait. J'imagine la meuf qui travaille à la préfecture, là, avec ses lunettes, là, cette espèce de... Ouais, mais celui qui balaye la rue, il fait aussi partie de la fonction publique. Et ouais. Voilà, exactement. Fonction publique territoriale. Ouais. De quoi ? Non, je précisais que c'est la fonction publique territoriale, l'exemple qu'a donné à Julien. Donc, on va. Le travail CNRS, on fait des satellites. Ben voilà, tu vois, le mec, il fait des satellites, donc il n'est pas sur. Oui, effectivement, qui travaille avec ses collègues qui sont à l'autre bout de la Terre, il n'y parle pas sur Google. sur Skype. Mais voilà, donc, il faut faire des choix, Monsieur Kader. Il faut décider de ne pas laisser accès, c'est possible.
Il suffit simplement, t'as pas de compte. Si t'as pas de compte, t'as pas de boîte email, t'en as juste une pour recevoir les trucs de l'administration, éventuellement de ta banque. Et puis c'est tout. Et puis après, avec tes amis, bah, tu les rencontres ou alors tu t'achètes un téléphone, tu sais, avec des. Un Lika mobile, là. Tu changes toutes les semaines. Ça tient dans la poche, faut pas le confondre avec une saucisse parce qu'il est tout petit. Et saucisse apéro. Et puis voilà, donc là, Bon, si par contre les flics de Troyes te voient sortir le petit téléphone pour parler au coin d'une rue, ils vont dire tiens, celui-là, il fait un truc bizarre. On va quand même le surveiller. Ça marche bien, ça, Lika Mobile. C'est qui a inventé ça? C'est qui, Lika Mobile, en fait? Alors, dans ma tête, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est des Indiens. Mais c'est sans doute parce que c'est souvent des Indiens qui tiennent des boutiques Lika Mobile. Non? Je sais pas qui c'est. C'est pour ceux qui ont des choses un peu à cacher, parce que tous les deux, trois mois, ils changent de numéro, si. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais c'est effectivement un Indien du Royaume-Uni. Ah, c'est ça, non? Le fondateur s'appelle Subhaskaran Ali Raja. Ouais, donc voilà, dans ma tête, c'était un Indien. Un obscurantiste, Michael. Rajoute ça en plus. Mais, pas nécessairement, non. Non, mais c'est assez marrant, parce que bon, c'est vrai que c'est un système de téléphonie pour des gens qui n'ont pas envie qu'on les écoute, quoi. Mec, en 5 ou 6... Je crois que t'es obligé de remettre une pièce d'identité quand même, je sais pas. Bon. Non. Une pièce d'identité. Alors, je sais pas si t'es obligé de remettre une pièce d'identité, mais en tout cas... Ce qu'on sait, c'est que ta pièce d'identité n'est sans doute pas contrôlée par la véracité de ton du document. N'est sans doute pas contrôlée dans la boutique par le mec. Et dans le 18e, à Château Rouge. quand tu prends tes 6 ou 7 numéros différents. Bah d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait une descente chez Lika Mobile pour une affaire de blanchiment d'argent. Non, c'est pas vrai. Oh bah bon. En tout cas, c'est assez marrant. Mais bon, c'est vrai que bon... Mais je trouve ça marrant, moi, en même temps, Lika Mobile. Je trouve que c'est drôle. C'est-à-dire que quand... C'est marrant parce que j'ai rencontré une gonzesse. L'avant-dernière fois que je suis allé à Paris, j'avais envie d'essayer le tramway. Donc, j'ai pris le tramway, j'ai pris le tramway. Et je suis tombé sur une nana, je t'ai déjà raconté, je crois. Une nana qui avait un arc. Tu vois, sur une nana qui avait un arc, un truc. Tu te faisais bander et on a discuté, tout ça. Elle était sympa, elle était assez jolie. Elle était pas extraordinaire, mais elle était assez jolie. Bon. On a échangé tout ça. Et à un moment, au moment où je vais me casser, elle me dit « Attends, je vais te laisser mon numéro de téléphone. » Et elle me dit que c'est un téléphone Lika Mobile. Et ce qui est rigolo, c'est que la nana que tu trouvais jolie, machin, originale, avec son arc et tout ça, elle te dit « J'ai un téléphone Lika Mobile. » Tu dis « Bon, je vais peut-être pas donner suite. » Tu sais, tu t'imagines après ses copains dans les Audi le soir, la nuit, qui te surveillent. Si tu veux de la MDMA, ça peut être sympa comme contact. C'est marrant parce que, en fait, c'est appuyé sur rien. C'est juste que c'est curieux, quoi. Ouais, c'est qu'elle a peut-être pas envie de s'acheter un Apple à 1000 euros. Ça n'a rien à voir, ça. C'est elle repart d'opérateur, là. Où elle a ouais, peut-être. Lika Mobile, ils vendent des téléphones à 25 euros. En 30 euros chez Boulanger. C'est dommage que les Français ne soient pas sur le segment, c'est surtout ça que je vois. Non, moi, je me suis dit, au fond de moi, elle a un arc et des flèches, mais c'est une chasseuse. Et donc, elle a un numéro pour quand elle a affairé un mec, tu vois, elle a le numéro spécial, il y a un numéro que pour moi, tu vois. Après, elle te traque dans la ville. Non. Elle avait pas des grosses lèvres, cette fille. Des grosses lèvres. Des cheveux raides, ouais. Parce que moi, j'ai fait la connaissance d'une folle aussi avec un arc. Mais elle était pas folle, elle était très gentille, très sympa. Ah, d'accord, ok.
Mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens à Paris avec des arcs? Mais il y a. A son club. Ouais, elle m'a appris qu'il y avait des sorts. Il y a des pas de tir dans Paris. Il y a tout à Paris. Ah, Mais oui, il n'y a rien. Non, en général, t'as ça dans un sac, tu vois. Mais bon, ouais. Ah non, mais pas dans un sac. C'est un truc qui fait 1m50 ou 1m70 de hauteur. T'es fou. T'as pas ça. J'ai mon sac. Et il tire sur qui? Il tire sur des cibles. Sur quoi? Sur les migrants. Non, arrêtez. Non, c'est pas des blagues. Non, c'est pas des blagues pour ici, ça. Ça me fait pas rire, moi. Je vous dis tout de suite. Ouais, ça fait pas rigoler. Non, les gens, ça fait pas rigoler. Non, non. Il tire sur qui? Quelle question à la con, quoi. Mais ouais, bon, il tire sur les cibles. C'est une réponse à la con que tu viens de donner. Voilà, n'en parlons plus. Ne parlons plus de ça, merci. Bah, faites pas des blagues comme ça, c'est complètement con. Bon, on va se casser, tiens, justement, avant que vous commenciez, parce que ça commence à dégénérer, là. Certains doivent être à l'apéro à la maison, donc on va pas s'éterniser. Puis en plus, on est en heure supplémentaire. Vous avez compris, cette année, on essaie d'être un peu plus proche de la fin normale de l'émission. Je voudrais dire à ceux qui sont sur le chat de YouTube que je vois pas tout ce qui est écrit, je vois de temps en temps. Et qui a le chat de Maurice Radio Libre sur lequel je réponds, j'interviens, donc qui est plus simple pour moi. Donc voilà. Donc je vois, là, il y a quelqu'un qui a écrit. Il a fraudé. Alors non, j'ai pas fraudé. Parce que j'aime pas le principe de frauder. Je trouve que c'est complètement con. Ça vaut 2 balles, un ticket, je vais pas me faire chier. Genre, tu vas frauder avec ta jambe. En plus, je peux même pas courir. Donc, donc voilà. J'aime pas, puis je trouve que le principe est complètement nul. Je trouve que les gens qui fraudent là dans le métro à Paris sont ridicules. Je trouve que c'est le mec est comme un lapin en train de passer au-dessus du portique, tu vois, pour économiser 1 euro. Enfin, voilà. Personne a 1 euro par jour, hein, ça fait 2 euros. Hein. Ben bah oui, donc il y a des solutions. On a un super système de transport, hein, Maurice. Le mec qui a pas de, pognon, il est aidé. Il est quand même vachement aidé en France. Donc il y a des prix de tickets qui sont parfaitement supportables. Tu payes combien ton Navigo, toi, Fabrice? Et puis ensuite, je vais te choquer de 1 à 5 zones, c'est-à-dire sur toute la région parisienne par an. Oui. Comme je suis handicapé entre guillemets, je paye 27 euros. Bon, ben voilà, tu vois, et t'es pas super. Le seul, il y a des catégories, il y a plein de trucs qui font que, voilà, que les transports en commun en France et à Paris en particulier sont pas très chers. En France, en général, sont pas très chers, il faut honorer le truc, et si jamais on peut pas se déplacer, on se déplace pas, ah. Si t'as pas les moyens, si tu peux pas, si t'as pas de fric pour prendre les transports, tu les prends pas. T'as pas de fric pour prendre un taxi, tu prends pas le taxi. Tu montes pas dans le taxi en disant « Ouais, le taxi, c'est cher, machin truc. » Et après, tu prends la tête du mec en disant « Ouais, tu te rends compte, je sais pas quoi. Bon, » si tu montes dans le taxi, tu payes, ça veut dire que tu es prêt à payer le prix. Donc tu montes, tu payes. Rideau. Si tu peux pas, si tu sens que tu n'as pas le pognon, ben bah, t'achètes un vélo, je sais pas quoi, tu t'organises, tu marches. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, en France... La France, c'est le paradis. Hein. Je veux dire, tu peux marcher de Montpellier jusqu'à Lille. Là, il y a des trottoirs, il y a de la lumière, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Donc, au pire, tu fais ça. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut être à la hauteur du deal. Voilà. Bon, on va écouter la conclusion de Kader de Troyes, je vous prie. Ouais, ben écoute, merci pour cette émission. Je suis pas très réceptif aux mauvais humours, t'as compris, petit message pour Michael, surtout quand ça vient de quelqu'un qui aime bien se faire livrer à manger à la maison, qui fait que ça. Donc ça c'est soit dit en passant, c'est l'obscurantiste. Pour le reste, je trouve que c'est une bonne. C'est un sujet intéressant et j'aimerais encore. De toute façon, à l'avenir, ça va être un sujet de société, je pense. Bon, on aura l'occasion certainement d'en reparler cette année. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne nuit à toutes et à tous. Et puis j'ai vu un truc, Maurice, j'ai vu que Madagascar, il y avait une grande présence des institutions françaises. Est-ce que je me trompe ou pas? Des institutions françaises? Non, je crois pas. Non, il y a... Implantation. Non, je crois pas. Je connais pas suffisamment bien, mais non, il me semble pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que le pape va venir là dans quelques jours avec les mecs qui sont excités. Hein. Je peux te dire, waouh.
Ouais. Ah d'accord. Ils ont même fait la voiture locale, la Carenji locale, qui est assez marrante. Ils en ont fait une. Et ils sont bien implantés, les catholiques, là-bas, il y a beaucoup d'églises. Ils l'ont transformée en papa mobile. Ils ont fait une papa mobile Carenji malgache, donc c'est assez marrant. C'est assez original comme véhicule. Ils sont bien implantés, oui. Mais il n'y a pas que des catholiques. Il y a aussi des musulmans et des juifs, je crois. Il y a tout le monde. Passez une bonne nuit, Maurice. Merci pour cette émission. Ok, non, allez, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris. Ouais Maurice. Bah, je m'intéressais un petit peu au programme pour les municipales, étant donné qu'on commence à voir des concurrents se profiler et qu'on n'est pas tous forcément satisfaits de Madame Anne Hidalgo. N'est-ce pas, Maurice? La duchesse de Paris. Donc oui, une alternance serait souhaitable. Et donc oui, je compte m'intéresser à ça. Voilà. Surtout, bon, Cédric Villani, évidemment, hein, qui pourrait être quelqu'un de... qui est déjà quelqu'un d'intéressant, je trouve, et qui pourrait être quelqu'un d'intéressant pour notre ville. Voilà. Bon, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il a annoncé sa candidature aujourd'hui. Tu sais où me trouver. Hier. Aujourd'hui. Ok, non, allez, voilà. Bonne nuit à toi. Okay, à bientôt. Et merci d'être venu. La conclusion de Fabrice à Vincennes. Merci pour l'émission, intéressante. Et puis bon, pour ceux qui veulent une montre originale, qui sort de l'ordinaire, hein, qui est fiable... Vostok Amphibia sur schistopolcity.com. Voilà. Comme ça, vous verrez que on peut se payer un petit morceau de luxe, ça pas cher. Bon. Bonne nuit. Ok, non, allez, bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Julien à Mont-de-Marsan, qui nous a pas beaucoup raconté, mais faudra que tu reviennes pour nous dire. Ouais, pas de problème. Écoute, merci pour ton émission, bonne nuit à tout le monde. Bonne journée aux autres et puis à bientôt Maurice, merci pour ton émission. Merci avec joie. Rock'n'Roll, les bonnes nuits à toi et profite donc de ta nouvelle installation. Et la conclusion merci. De Lucas à Saint-Chamond. Ah, moi j'ai une pensée pour tous les petits vieux qui sont perdus justement sur toutes les avancées technologiques. Je pense aussi aux commerciaux qui les saignent. En leur vendant des trucs, des cours d'aérobic à des vieux qui comprennent même pas ce qu'ils achètent. Je veux dire, le jour où les vieux ne seront plus perdus sur la technologie, où il n'y aura pas de l'obscurantisme sur les avancées justement technologiques, eh ben il y aura des commerciaux qui ne pourront plus vendre. Voilà. Et moi je pense que je pense à ces commerciaux là et ça me rend triste. Voilà. Une soirée. Ok, non, allez, bonne nuit à toi. Ne pleure pas trop cette nuit, quand même, on sait jamais. Bon, c'est bien ce programme. Hein. Bon, j'espère qu'on va avancer un peu sur notre YouTube, sur notre chaîne YouTube. On va essayer de créer quelques améliorations, de faire des machins, des trucs. On a des idées, hein, pour que ce soit bien. Et je te remercie donc d'être de l'autre côté, de faire vivre le bazar. Et je salue celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre. Bon, c'est bien hein, ce programme. Hein.